Mes chers collègues, bonsoir à toutes et tous. Je salue aussi la presse et les spectateurs et toutes les personnes qui nous suivent en live sur la page Facebook de la ville. Je vais, si vous le voulez bien, procéder à l'appel. Sébastien Leclerc, présent. Denis Fraquet, présent. Cindy Mangeant, présent. Johnny Briard, présent. Corinne Lecourt, présent. Jean-René Desmonts, présent. Corinne Lejeune, présent. Vincent Auton, présent. Caroline Verrag, présent. Paulette Duval, présent. Monique Greffé, Henri Aujard, présent. Nathalie Cotron a donné pouvoir à Jean-René Desmonts, Laurent Delanoë, présent. Thierry Eustache, présent. Rémi Lebrasseur, Karine Lanier, Frédéric Ménil, Sandrine Elie-Romain, Thibaut de Jaeger, Vicky Bagnier, Florian Lépine a donné pouvoir à Denis Fraquet, Morgane Voisin a donné pouvoir à Antoine Avard, Hervé Sel, Maïwenn Léger a donné pouvoir à Frédéric Ménil, Clotilde Walter, Sylvie Grandin a donné pouvoir à Clotilde Walter, Émilien Jean a donné pouvoir à Angela Beaugros, Angélique Avard, Valérie Burel a donné pouvoir à Angélique Avard, Angela Beaugros, Angélique Périgny, Bernard Aubry a donné pouvoir à Paul Mercier. Paul Mercier, je vous remercie. Le quorum étant atteint, je vous propose de commencer notre séance et conformément à l'article L2121-15 du CGCT, je vous propose de désigner notre secrétaire de séance et je vous propose Madame Vicky Bagnier. Y a-t-il des oppositions ? Madame Vicky Bagnier est donc notre secrétaire de séance. Mes chers collègues, je voudrais d'abord excuser ce début de conseil avec quelques minutes de retard, mais certains d'entre nous étaient en commission d'appel d'offres et elle vient juste de s'achever. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'entamer l'ordre du jour, je voudrais aborder au moins deux sujets avec vous. Le premier, un sujet que j'avais également abordé lors de notre conseil municipal de septembre dernier, concerne les coûts de l'énergie, mais il me semble si important que je souhaite donc revenir dessus ce soir. La hausse des coûts de l'énergie que connaît la population n'épargne pas les collectivités. Pour Lisieux, alors qu'en 2021, la ville consacrait 950 000 euros aux dépenses de chauffage, d'électricité et de carburant, le budget nécessaire pour 2023 serait à périmètre constant et sans action volontariste à 2 200 000 euros. Cette hausse n'est pas acceptable et puisque nous nous sommes engagés à ne pas augmenter la fiscalité municipale sur la durée du mandat, nous agissons. Dans les bâtiments publics, la température du chauffage est adaptée en fonction de l'utilisation des bâtiments. Pour les illuminations de Noël, la durée de leur fonctionnement sera réduite de quelques jours par rapport aux années passées. Elles seront arrêtées une heure plus tôt chaque soir et ne seront plus allumées 24 heures sur 24 au moment de Noël et du jour de l'an. En ce qui concerne l'éclairage public, nous avons initié dès 2021 le recrutement d'un prestataire pour travailler sur la performance énergétique. Jean-René Desmonts vous présentera tout à l'heure une délibération à ce sujet. À niveau de service constant, cet accompagnement doit nous permettre de diminuer de 35% la consommation d'électricité globale. Et ce sera, nous le souhaitons, et c'est sur ce que s'engage le prestataire qui pourrait être retenu ce soir, nous pourrions économiser 65% sur l'éclairage public. Au-delà, nous réfléchissons actuellement à interrompre l'éclairage public en milieu de nuit, sans doute sur le créneau minuit 5h du matin. Autre sujet que je souhaitais aborder devant vous ce soir est l'aire de grand passage pour les gens du voyage. Par courrier du 27 septembre dernier, adressé au président de la communauté d'agglomération, Monsieur le préfet proposait d'étudier les possibilités d'implantation d'une aire de grand passage sur 3 parcelles identifiées, dont une parcelle, la ZA15, située sur la commune de Lisieux, secteur de la Galoterie, plus précisément derrière le magasin King Jouet et le long de la Rocade Sud et de la RD 613. Cette proposition appelle de ma part un certain nombre de remarques. D'abord, le fait que le propriétaire de ce terrain a indiqué qu'il n'est en aucun cas vendeur de cette parcelle. Ensuite, cette parcelle fait partie de la trame verte de protection de la source de Grès, source qui alimente en eau potable une grande partie de la ville de Lisieux.
Enfin, une vingtaine de riverains du chemin de la Galloterie m'ont fait connaître leurs vives inquiétudes et leur opposition à l'implantation d'une aire de grand passage à cet endroit. Je pense que la communauté d'agglomération aura beaucoup de difficultés à créer une aire de grand passage sur une parcelle que le propriétaire ne veut pas lui vendre. Une procédure d'expropriation avec les différents recours peut prendre 10 ans. À mon sens, la parcelle de la Galloterie a davantage vocation à accueillir du développement économique pour conforter le pôle qui existe déjà. Je vais donc m'opposer à cette implantation. Voilà, mes chers collègues, les deux sujets que je souhaitais aborder sans plus attendre. Je vous propose de débuter l'ordre du jour de notre conseil municipal, mais je vous demande de m'accorder encore quelques secondes pour que nous ayons aujourd'hui une pensée pour les salariés de la CIDEL, les 109 salariés de la CIDEL qui ont été reçus aujourd'hui à Bercy et pour lesquels leur emploi est mis en grand danger par leur employeur qui se comporte comme un malotru. Donc, je voulais leur adresser tous nos encouragements et leur dire en cette période de Noël qui s'approche que nous sommes avec eux. Voilà, mes chers collègues, je vous propose que nous passions maintenant à l'ordre du jour. Je vais modifier quelque peu l'ordre présentation des délibérations et nous allons commencer par la commande publique et une délibération qui vous sera présentée tout à l'heure par Jean-René Desmonts qui concerne la signature du marché de performance associant la modernisation, la rénovation, l'exploitation, la maintenance et la gestion des installations d'éclairage public et des installations connexes, sujet dont je vous ai parlé il y a quelques secondes et qui va vous être présenté d'abord avec un PowerPoint par notre maître d'œuvre, Monsieur Johnny Dessa de la société EECI, à qui je laisse le soin de se présenter, de nous présenter ce marché de performance énergétique qui est, compte tenu de l'actualité, très très attendu à Lisieux. Bonsoir à tous. Alors, je sais pas si ça marche. Allô ? Oui, c'est bon. Désolé. Donc, je me présente donc de Sadjoni. Je représente le cabinet donc EECI. Donc, on a accompagné la ville de Lisieux dans la projection d'un marché à performance énergétique. Donc, je vais projeter. Ça sera peut-être plus simple. Hop, ça sera comme ça. Donc aujourd'hui, l'idée c'était on a fait donc un rapport d'analyse des dernières offres. Donc je vais faire un petit retour en arrière pour que vous ayez juste un brin d'historique. Donc on a commencé cette démarche avec la collectivité en milieu d'année 2021, sur lequel en fait en avril dernier, donc on a lancé un marché. Donc un DCE, un dossier de candidature par le biais d'un dialogue compétitif sur ce marché à performance. L'idée, c'était sur ce dialogue compétitif de faire un appel à candidature sur lequel 4 candidats ont répondu. 2 seulement ont été retenus puisque les 2 premiers n'étaient pas en capacité technique et financière de soutenir ce type de projet. Donc, les 2 candidats retenus étaient donc Citeos, d'une part, et le groupement Réseau Environnement SPI. Donc, cette candidature a été émise en avril dernier, donc en avril 2022. Ces candidats avaient à répondre en juin dernier. Donc, les 2 candidats retenus en juin dernier ont fait une offre qui a été analysée, je vais vous dire la date exacte, en juin, fin juin et début juillet. Donc, c'est malheureusement, le groupement Citeos n'a pas répondu. Seul l'entreprise, le groupement SPI, environnement, Réseau Environnement, a répondu. Donc, vous n'avez qu'une seule offre qui a répondu à ce type de marché. Donc, en concertation avec vos services techniques, on a continué la procédure puisque c'est une procédure assez longue. Comme vous l'avez vu, on a commencé en 2021 et les candidatures ont été sélectionnées, les premières offres fin juillet. Donc, on a continué la procédure.
sur lequel en fait il y a eu toute une phase de négociation avec des auditions et des phases de négociation, donc deux auditions plus des phases de négociation pour aboutir à une offre finale sur laquelle aujourd'hui on s'est proposé d'analyser le contenu. Donc toute la démarche a été faite dans la cohérence d'un dialogue compétitif. Aujourd'hui, l'offre définitive a été remise par le groupement SPI Réseau Environnement sur le périmètre suivant. Donc c'est sur le périmètre de l'éclairage public, des mises en valeur, des équipements sportifs, de la signalisation tricolore. Et il y a aussi des bornes foraines et de la vidéoprotection. Donc tout ce périmètre a été soumis à un marché de 12 ans avec deux années de travaux. Donc tout ça a été validé par vos services. Donc le but du marché aujourd'hui et les engagements qu'a pris donc le groupement SPI s'élève à 60% d'économie d'énergie sur votre patrimoine d'éclairage public. Alors ces 60% sont liés uniquement aux kilowattheure consommé par l'éclairage public. Bien évidemment, ce ne sont pas des engagements sur la facture énergétique puisqu'il y a une grosse part de taxes qui ne sont pas maîtrisables. Donc, c'est uniquement sur les kilowattheures et sur l'ensemble du périmètre que vous voyez à l'image. Donc, si vous ne le voyez pas très bien, j'espère que tout le monde le voit, mais il y a à peu près 4488 points lumineux associés donc entre l'éclairage public, l'équipement sportif. Vous avez aussi une partie illumination festive qui entrera en jeu plutôt en 2025. Elle n'entrera pas tout de suite dans le cadre du marché. Donc c'est un marché de 12 années à la fois sur la partie travaux, uniquement sur la partie travaux ne s'effectue que sur les 24 premiers mois, donc 2 ans de travaux. À savoir que ce marché débute par un audit contradictoire qui dure à peu près 4 mois pour bien valider votre patrimoine et votre périmètre. Voilà, ça c'est pour la partie technique. À savoir que ce marché est décomposé en deux blocs complètement interliés, c'est la partie fonctionnement et la partie investissement. Sur la partie fonctionnement, il est décomposé en 4 sous-groupes. Le G0 qui est la partie administrative sur lequel on inclut la mise à jour de la base de données, une GMAO, donc une gestion assistée par ordinateur, toute la réponse au DTD et CT aux demandes d'intervention pour le réseau, tous les rapports annuels, mensuels, tout le suivi administratif se regroupe dans ce budget-là, qui est donc un budget de fonctionnement qui est forfaitaire, annuel. Le G1, c'est un autre bloc de fonctionnement et qui est forfaitaire sur la partie administrative et la gestion de l'énergie. Donc, ils vont vous suivre de manière et tracer toutes vos factures et toutes vos consommations énergétiques à la fois sur ce qui est vraiment consommé sur le terrain et les mettre en cohérence avec les factures énergétiques que vous payez pour bien identifier tous les écarts qu'il pourrait y avoir et vous suivre pour pouvoir éventuellement négocier de manière future une future offre de marché avec un nouveau prestataire éventuel sur l'énergie. Et sur ce même poste-là, les engagements d'énergie sont suivis et validés par vos services. Le G2, c'est toutes ces gestions de la maintenance sur l'ensemble du périmètre qu'on a vu un petit peu plus haut. Donc, ils ont des délais d'intervention et des engagements aussi liés à la partie maintenance. C'est une maintenance un peu plus qualitative qu'on attend de leur part sur ce type de marché et qui est bien sûr liée aux travaux effectués dans les 2 premières années, puisque les 2 premières années, il y a des travaux qui vont impacter les économies de maintenance qui vont être effectuées après les travaux, puisque les prix de la maintenance vont bien sûr évoluer dans le bon sens pour vous une fois que les travaux seront effectués. Vous avez aussi une gestion G5 sur les illuminations festives qui concerne la dépose, la pose et la maintenance des illuminations festives de fin d'année, donc sur la partie fonctionnement. Ensuite, on passe à la partie investissement sur lequel vous avez 3 postes. Le G3 non programmé qui est lié aux accidents et au vandalisme. Donc, il y a un budget annuel estimatif qu'on a fait donc en cohérence avec, en association avec vos services, pour voir ce que vous dépensiez en moyenne ces 3 dernières années sur
le vandalisme et les accidents. Donc, il y a un budget annuel prévisionnel qui est donc qui sera impacté uniquement s'il y a des accidents et du vandalisme sur ce poste-là. Il est lié à un bordereau de prix, donc une prestation liée à une prestation réelle au bordereau. Sur ce même poste, il y a un poste G3 programmé qu'on appelle prévisionnel. Donc, vous avez un budget annuel qui est mis annuellement pour faire en fait toute prestation complémentaire qui n'avait pas été identifiée dans le gros du marché qu'on verra juste en dessous, le G4. Donc, il y a des choses c'est une durée de marché assez longue, 12 ans. Donc, il y a un gros investissement les deux premières années, mais les années suivantes, bon, il peut y avoir des évolutions de patrimoine, des choses qui n'avaient pas été identifiées lors des deux premières années. Et donc, on a laissé un budget prévisionnel qui est non éligible par le candidat. Donc, ça, c'est soumis à votre validation par un bordereau de prix et par une prestation qui sera validée par vos services pour la réaliser sur ce budget-là. C'est un budget qui est reportable année par année et qui est, comme je vous le disais, non éligible par le candidat. En fin de marché, il n'est pas question que le candidat réclame ce budget pour faire des prestations sur ce budget-là. Le G4, donc, c'est tout ce qui est investissement pour avoir votre patrimoine aux normes, pour éliminer tous les taux de vétusté, toutes les mises aux normes et faire des économies d'énergie. Donc, c'est le gros budget, il est là-dessus. Sur les deux premières années, il est impacté là-dessus. Le G5, c'est la gestion administrative de la gestion des illuminations festives, mais cette fois-ci dans l'achat et le renouvellement de votre parc d'illumination festive. Donc, tous les deux ans, de manière directe, il sera renouvelé. Il y avait une proposition de prestation supplémentaire pour tous les ans renouveler 20% de vos motifs. Dans la commission, cette prestation n'a pas été retenue. Donc, tous les ans, vous aurez quand même un renouvellement de votre patrimoine d'illumination festive. Bon, là, je vous ai mis des abréviations puisque dans ce type de marché, comme dans beaucoup d'autres marchés, il y a des abréviations. Bon, là, je vais éviter les abréviations. Si c'est le cas, je vous m'en excusez. Je vais essayer de répondre sans abréviation. Vous aviez sur ce marché aussi des tranches optionnelles qui sont les quatre premières, c'est des travaux sur des renouvellements d'équipements sportifs. Donc, ils sont cités sur les quatre premiers postes. Donc, c'est des tranches optionnelles qui seront affermies tout au long du marché. Elles seront potentiellement validées par vos services tout au long du marché. Elles seront validées si nécessaire. Elles ne sont pas obligées d'être affermies. Hein. Donc, c'est le but. Bon. La tranche numéro 5, c'est de la vidéoprotection. Donc, c'est pour le renouvellement et l'ajout de caméras. Donc, c'est pareil, c'est une tranche optionnelle qui sera validée par vos services tout au long du marché. Donc, ce type de marché est décomposé pour la notation sous des critères bien définis. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il est décomposé en points de gestion sur lesquels ils sont notés, des points attendus sur le. Donc, on a fourni au début dans le dossier de consultation des entreprises un programme fonctionnel des besoins. Alors, ça représente un peu ce que vous connaissez peut-être un peu plus, le CCTP, qui aujourd'hui, nous, on le remplace par un programme fonctionnel des besoins. On a émis un besoin sur lequel le candidat a répondu. Et donc, il était décomposé sur ces différents postes et il les était notés sur donc 1000 points, 650 points sur la partie technique, 50 points sur la partie tranche optionnelle et 300 points sur la partie prix de l'offre. Noter tout ça sur donc 1000 points. Donc, on a décomposé là poste par poste. Donc, comme il n'y a qu'un seul candidat, généralement, on compare les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, ce qu'on attendait du candidat, c'était de répondre au programme fonctionnel des besoins. Ils ont répondu à 90% sur quasiment tous les postes. Donc, sur le poste G0, sur la partie administrative et l'organisation qu'ils mettaient en place pour répondre aux besoins de la collectivité, tout ça était parfaitement atteint côté entreprise. Pareil sur la partie proposition de limitation liée à la performance énergétique. Donc, sur les attentes au niveau des économies d'énergie, on leur avait imposé sur le programme fonctionnel des besoins un minimum à atteindre. Donc, ils l'ont atteint. Donc, ils ont eu la note maximum.
Donc, ils ont mis en place, on attendait de la mise en place une organisation spécifique pour le suivi de l'énergie. Donc, ça, c'était atteint parfaitement. Donc, ils ont eu la note maxi sur le poste G1. Sur le G2, sur la partie maintenance, ils ont eu un peu moins de points puisqu'ils ont juste sont limités aux exigences du programme fonctionnel. Donc, on attendait peut-être des éléments un peu plus qualitatifs. Bon, aujourd'hui, on les a un peu, on a mis des points un peu moindres sur des délais d'intervention qui étaient juste limités au programme fonctionnel. Donc, ils ont eu 90 sur 120, hein, ce qui est une note tout à fait raisonnable. G3, donc c'était on a fait un comparatif sur le bordereau de prix unitaire. Donc là, il n'y avait pas de point de comparaison, mais on a quand même relevé un certain nombre de prix identifiés sur les prestations et sont tout à fait dans les prix de ce type de marché. Sur le G4, sur la partie investissement du gros, donc de l'ensemble des investissements sur les deux années. Donc, il y a une partie qui est liée au SDAL, ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement lumière. Donc, ils vous doivent un schéma cohérent sur l'ensemble de votre patrimoine d'éclairage public. Donc, ils ont décomposé d'une certaine façon votre patrimoine. Hein. Donc, il y a des voies principales, des voies secondaires, des voies tertiaires qui sont liées à une norme d'éclairage public sur lesquelles ils ont suivi une cohérence sur le SDAL. Alors ça, c'est leur étude. Bien sûr, elle sera soumise à vos services. C'est le schéma directeur d'aménagement lumière. Donc c'est un schéma qui permet d'harmoniser l'ensemble de vos voies pour qu'il y ait une cohérence lumière et qui suive la norme. Une norme d'éclairage qui est en vigueur aujourd'hui. Alors, c'est une préconisation de normes qui est bien sûr à essayer d'exploiter au maximum pour avoir une cohérence, mais qui est adaptable à votre patrimoine, puisque chaque patrimoine a une cohérence propre. Donc, elle sera alliée par rapport à votre connaissance de votre patrimoine et en accord avec vos services techniques, bien évidemment. Donc voilà, ensuite toute la partie volume de travaux, elle est en cohérence avec toutes les économies d'énergie attendues. Donc là, ils ont eu quasiment la note maxi sur la partie investissement. Sur la partie illumination festive, donc ils ont proposé une organisation spécifique et des délais d'intervention sur lesquels ils sont limités à produire ce qu'on avait proposé au programme fonctionnel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu la note maxi, ils ont eu 20 sur 30. Il y a aussi une partie développement durable et une partie engagement social sur laquelle ils doivent des engagements d'insertion professionnelle, surtout sur la partie travaux. Donc, il y a une partie insertion professionnelle sur laquelle ils font des engagements. Donc, ils ont répondu aux besoins. Il y aura potentiellement des choses à négocier en amont pour qu'ils intègrent que ça s'intègre parfaitement à vos attentes aussi. Donc, ils ont fait des propositions, mais toutes ces propositions peuvent être adaptées à vos attentes aussi. Donc, sur la partie tranche optionnelle, bon, ils ont répondu aux besoins. Donc, il n'y avait pas de contraintes là-dessus. Donc, en résumé, vous avez une note, donc, comme on l'avait exprimé tout à l'heure, ils étaient attendus sur l'ensemble, sur la partie financière aussi. Donc là, chaque poste est décomposé donc c'était noté sur 300 points. Chaque poste est décomposé donc du G0 au G5, la partie G0, G1, G2, c'est la partie fonctionnement. Donc vous avez un montant sur les 12 années du marché. Et à côté, on a mis notre estimatif. Donc là, vous ne le voyez peut-être pas, mais on est très proche de notre estimatif. Alors nous, on a fait une estimative qui datait donc début d'année 2022. Généralement, on est autour des 10% supérieurs, 10 à 15%. Là, on est à près de 5%, mais il y a eu une grosse augmentation vu la conjoncture actuelle et aux augmentations des matières premières. Donc, on est très, très proche de... Bon, on est quand même en dessous, mais on est moins en dessous de ce qui était attendu par rapport à un marché que nous, on estime d'habitude.
Voilà, vous avez le détail de chaque poste. Aujourd'hui, ils sont dans la gamme de prix qu'on était fixé, un petit peu en dessous. Vous avez ici en TTC ce que ça reproduit année par poste. Donc sur le G0, le poste administratif année par année, sur le G1 année par année, on a mis sur le G2. Alors tout ça, c'est sans indexation. Sans indexation par poste. On a quand même mis une indexation sur le G2 pour de manière prévisionnelle, à savoir qu'on ne maîtrise pas encore l'indexation, malheureusement. Cette année, il y a eu des fortes indexations sur les postes de fonctionnement et sur les postes d'investissement. Bon, on espère que les années futures seront moins impactées. Voilà, ça, c'est une projection de votre marché en TTC. Donc, on reprend toutes les notes ici du poste N0 jusqu'au coût et jusqu'aux tranches optionnelles. Donc, voilà, donc ils ont eu 585 sur 650 sur la partie technique et avec la partie tranche optionnelle 635 sur 700. Et sur 1000 points, donc ils ont obtenu la note de 935 sur 1000 points. Donc, vous avez un prestataire qui a répondu à l'ensemble des prestations, à la fois sur la partie technique, sur la partie engagement et sur la partie financière. Comme je vous disais, on était très proche de notre estimatif. Donc, il n'y a pas eu de surprise. Il y a eu des négociations et une audition et deux auditions qui ont permis d'aller chercher encore des points techniques et des points financier important pour avoir une offre tout à fait qualitative. Donc pour les points marquants, c'est que ils respectent les engagements. Ils vont chercher de manière engagée 60,03% d'économie d'énergie. Donc je le répète sur les kilowattheures. Donc ils ont un audit sur 3 mois à faire, un schéma directeur d'aménagement lumière en cohérence sur l'ensemble de votre patrimoine. Voilà, ils ont quelques points faibles, mais c'est très, très à la marge. Hein, voilà. Donc la suite du programme, c'est la suite de la procédure, c'est de faire une réunion de mise au point. Une fois que vous aurez validé, si vous le décidez de valider le candidat aujourd'hui, il y aura une notification et ensuite un OS de démarrage avec une date à définir et ensuite une mise au point du marché qui permettra de bien valider tous les points qui ont évolué pendant la phase de négociation, puisqu'il y a plusieurs points qui ont évolué pendant la phase de négociation. Au départ, il y avait une variante qui a été supprimée, il y a une PSE qui a été engagée, une prestation supplémentaire qui a été mise justement sur les illuminations. Et puis, il y a aussi un stade qui a été retiré des tranches optionnelles puisqu'il a déjà été effectué ou en cours d'aménagement. Donc voilà, tout ça, il faudra bien le recadrer dans la mise au point pour valider la première réunion de démarrage. Donc voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, on va passer aux questions-réponses si vous en avez à partir de maintenant. Monsieur Mercier. Merci, monsieur le maire. D'abord, je précise que la société Réseau Environnement et ses partenaires sur ce marché sont des professionnels aguerris, professionnels des réseaux, de toutes sortes de réseaux d'ailleurs, et des marchés publics. Cependant, dans ce dossier, il y a des points qui me dérangent à différents niveaux. D'abord, de prendre une décision sur la sous-traitance ou l'externalisation de l'entretien et des travaux d'éclairage. Les travaux, c'est évident. Alors que je n'ai peut-être quelque chose m'a échappé, mais je n'ai pas vu ou je n'ai pas eu d'explication sur ce que devient le service éclairage public de la ville de Lisieux. Le deuxième point, c'est le fait de s'engager sur 12 ans, donc au-delà du prochain mandat municipal, pour un montant d'entre 9 et 10 millions hors taxes en valeur à ce jour, sur la base d'un dialogue compétitif dans lequel il n'y a qu'un seul compétiteur, qui ne peut donc qu'être retenu, quelle que soit la note qu'il obtient. Il me semble qu'il aurait été préférable de déclarer le marché infructueux, d'autant que la société Réseau Environnement est déjà devenue depuis 2 ans un des importants fournisseurs de la ville. Enfin, par une curieuse coïncidence, le dirigeant de Réseau Environnement, que je ne nommerai pas ici,
à son domicile personnel exactement à la même adresse que la SCI Page, à qui la ville a vendu une maison aux 5 allées Jean de la Fontaine par délibération du 27 juin 2022, et ce, de gré à gré, c'est-à-dire sans concurrence non plus. Voilà pourquoi je voterai contre cette délibération. Répondre, monsieur Mercier, je vais vous répondre sur au moins deux sujets. Sur le sujet, un seul compétiteur, monsieur Dessa, sera en mesure de répondre, d'autant plus qu'on est dans l'estimation du marché. Donc, je pense que de ce côté-là, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Alors, vous êtes contre la sous-traitance, monsieur Mercier, mais quand vous étiez aux affaires, vous n'avez rien fait pour votre réseau d'éclairage public. Absolument rien pour le préserver. Le service éclairage public est composé de 2 agents pour s'occuper de 4800 points lumineux. Vous savez pertinemment, monsieur Mercier, ou si vous ne le saviez pas, je vais vous l'apprendre, que la mémoire de la ville part à la retraite au 1er janvier ou au 31 janvier 2023. La mémoire de l'éclairage public part en retraite au 31 janvier 2023. Comment fait-on, monsieur Mercier, sans mémoire, à la ville de Lisieux pour s'occuper des 4800 points lumineux qui fonctionnent grâce à la qualité et à tout le talent de notre collaborateur? Pour ce qui est du deuxième agent, qui est à 50%, il passe au service bâtiment. Alors, monsieur Mercier, le maire de Lisieux se voyait mal engagé, sans agent, sans mémoire, sans technicien, pour faire vivre le réseau d'éclairage public. Et puis, monsieur Mercier, grâce à ce marché de performance énergétique, on va changer de siècle. Voilà, je le fais sur le même ton que le vôtre, mais vous ne vous êtes pas engagé jamais dans un marché de performance énergétique auparavant, en tout cas, au moins sur l'éclairage public. D'ailleurs, vous n'aviez que peu faire des économies d'énergie parce que quand on est arrivé aux affaires, le local Oasis n'était absolument pas verdi alors qu'il n'était pas encore construit. Voilà. Donc, vous n'y pensiez peut-être pas encore à l'époque. L'actualité aujourd'hui démontre qu'il était urgent, très très urgent, de s'occuper de la performance énergétique de notre réseau d'éclairage public. Parce que je vais vous donner quelques chiffres qui vous passionnent sûrement aussi. OBP 2022, pour ce qui concerne l'éclairage public, nous avons inscrit un montant de dépenses de 300 000 euros. Nous réaliserons 330 000 euros. Et OBP 2023, si nous ne faisons rien, et rien, quasiment rien ne sera fait, puisque si vous avez écouté Monsieur Dessa, le marché ne commencera ne sera attribué qu'au début d'année prochaine et les premiers travaux ne pourront commencer qu'à partir du mois d'avril. Donc les premières économies que nous ferons n'interviendront que pour peu en 2023. Et donc si l'année prochaine, nous devrions inscrire 675 000 euros de dépenses liées à l'électricité pour l'éclairage public. Donc 300 000 en 22, 675 000 en 23, 475 000 euros d'économie. Si on faisait abstraction de l'augmentation de ce coût de l'énergie, 300 000 euros en 2022, pas d'augmentation du coût de l'énergie en 2023, nous devrions payer, si les travaux étaient terminés, 105 000 euros. 105 000 euros. Vous opinez du chef, monsieur Mercier, 105 000 euros, c'est 195 000 euros que vous auriez pu faire économiser à la ville si vous aviez, de votre temps, lancé ce marché de performance énergétique. Ce qui va se passer là, avec l'augmentation du coût de l'énergie, on estime en année pleine, lorsque les économies pourront être réalisées, on estime que l'énergie nous coûtera 236 250 euros. Soit une différence de 438 000 euros. Voilà. Alors, vous vous étonnez qu'il n'y ait qu'un candidat. On a respecté,
on a respecté la procédure des marchés publics. Mais monsieur Mercier, il y a urgence. Il y a urgence. Si vous avez écouté monsieur Dessat, qui a été recruté l'année dernière, c'est un an de travaux pour arriver aujourd'hui à concrétiser ce marché. Il y a urgence. Aujourd'hui, on ne peut plus attendre et on ne peut pas dire qu'on va payer tous les ans 438 000 euros en plus, alors qu'on a perdu 10 ans déjà, pendant 10 ans, au moins 200 000 euros. Je ne sais pas ce que vous avez contre l'entreprise Réseau Environnement. Ça, je m'étonne de cet acharnement sur cette entreprise. Mais puisque vous m'y contraignez, monsieur Mercier, je vais vous parler d'un marché qui a été attribué par l'ancienne équipe municipale concernant les travaux de l'avenue Victor Hugo. Je me suis laissé dire, et je vous l'écrirai si vous le souhaitez, monsieur Mercier, que cette entreprise Réseau Environnement n'arrivait pas à obtenir du fournisseur que vous avez retenu le bordereau de prix pour pouvoir répondre à votre marché. Il a dû taper du poing sur la table auprès du maître d'ouvrage et de son maître d'œuvre afin d'obtenir ce bordereau de prix sur les mâts d'éclairage et les lanternes, parce que vous aviez mis dans votre marché un modèle d'équipement variante interdite. Ça, c'est un petit peu comme la pierre de soupe. Ça ressemble à du monopole à attribuer. Et donc, quand il a pu enfin obtenir le bordereau de prix de ce fournisseur qui semblait très ami avec l'entreprise Bouygues Énergie, qui était, si je ne m'abuse, une société dont vous avez pu être proche quand vous étiez salarié, il a pu obtenir le bordereau de prix et la différence de prix que ce fournisseur, la différence de prix sur ce matériel que faisait ce fournisseur entre Bouygues Énergie et Réseau Environnement, la différence de prix était de 80% sur le même matériel, monsieur Mercier. Donc je ne sais pas ce que vous avez contre Réseau Environnement. Je ne sais pas, je ne peux pas vous laisser dire que Réseau Environnement travaille avec la ville depuis 2020. Vous-même, vous faisiez déjà travailler cette entreprise, enfin les services techniques faisaient travailler cette entreprise sur certains marchés. Maintenant, c'est vrai que les habitudes ont changé et je pourrais vous citer encore quelques exemples, si vous le souhaitez, sur l'attribution du marché du premier lot de la SCI de l'avenue Victor Hugo. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que toutes les entreprises doivent avoir leur chance à les yeux. J'ai dû entrer personnellement dans le marché des espaces de liaison et de la place de la République pour aller voir ce qui se passait. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions techniques sur ce sujet. Je crois que je le connais et j'ai peut-être encore des questions à poser et auxquelles je vous apporterai des réponses ou des commentaires, monsieur Mercier, par courrier. Voilà. Alors, je donne la parole à monsieur Dessat pour la partie de la question sur compétiteurs. Seul compétiteur. Oui. Alors, juste pour répondre brièvement, en fait, j'avais donc, comme j'ai initialisé la présentation en vous présentant, en fait, il y avait eu 4 candidats qui ont proposé leur candidature, bien qu'il y ait eu quand même 28 retraits. Hein. Il y a eu 28 retraits du dossier de consultation. 4 ont répondu sur la candidature. Donc, quand on a analysé les candidatures, il y en avait 2, malheureusement, qui n'étaient pas du tout dans le cadre de la partie techniquement et financièrement. Et dans ce type de marché, on attend un certain nombre de références qu'ils n'avaient pas. Donc, on n'a pas pu les retenir, parce qu'on savait très bien qu'ils n'allaient pas aller au bout et que ce n'était pas la peine d'aller. Voilà. Il y a eu 2 candidats qui étaient susceptibles de répondre. Citeos n'a pas, qui était le deuxième, qui n'a pas été jusqu'à la première offre. Ils ont été relancés. Je crois qu'ils ont participé à la visite commune, mais ils n'ont pas répondu. Ils ont été relancés. On a eu tout un débat justement pour savoir s'il y avait une procédure, si elle devait être reportée, relancée, tout ça. Comme on l'a expliqué au début, c'est une démarche qui est longue.
On avait débuté cette démarche en courant 2021. Donc, après, il fallait relancer toute la démarche, repartir sur une partie technique, revoir ce qui avait été fait. Donc, ça allait repousser de 8 à 10 mois la procédure. Donc, en accord avec vos services, nous, on a continué la procédure, sachant que celui qui est resté, il était tout à fait viable sur le plan technique et financier, puisque toutes les références sont connues. SPI, c'est une entreprise qui est connue dans ce type de marché. Voilà, donc nous, on analyse de manière très, très contractuelle, entre guillemets. On fait abstraction de tout ce qu'il y a autour. On ne connaît pas votre historique avec tel ou tel prestataire. Nous, on analyse ce qui arrive, hein, votre SPI. Moi, je ne savais même pas qu'il était ou réseau environnement. Voilà, nous, on analyse ce qui arrive. On ne connaît pas du tout l'historique, donc on a pris les éléments. Aujourd'hui, ces deux entreprises, il y a une grosse phase de négociation, ce qui a permis d'avoir un seul candidat. Ça a permis aussi de faire deux auditions, des négociations poussées, il y a eu des courriers, enfin bon, tout ça, ça a permis de bien cadrer votre marché et d'avoir quelque chose qui tient vraiment la route. Donc pour moi, le fait qu'il n'y ait qu'un seul candidat aujourd'hui, c'est peut-être perturbant pour vous, mais en tous les cas, vous avez derrière une prestation qui normalement est cadrée et qui tiendra la route. De toute façon, c'est un marché qui est complètement bordé à la fois sur les prestations, sur les engagements, sur le suivi. Vous avez quelque chose de qualité. Vous partez sur la prestation, comme vous disiez, Monsieur le maire a rebondi dessus sur les prestataires qu'il y avait aujourd'hui qui faisaient l'éclairage public. Il y a un historique qui va être perdu aujourd'hui. Ce marché-là permet d'avoir un historique contractuel et qui permet d'avoir un suivi. Demain, vous perdez ce prestataire-là parce qu'il y en a un autre qui suit. Vous récupérez toutes les billes. Hein, quelqu'un qui connaît un minimum l'éclairage public, au bout de 2 semaines, il sait votre patrimoine, ce qu'il en est. Aujourd'hui, l'historique, malheureusement, il faudra le garder au maximum pour le début du marché, mais dans quelques mois, un an, voilà, si l'historique s'en va, vous avez quelque chose qui tient la route pendant même après le marché. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci, monsieur Dessa. Est-ce qu'il y a des questions, madame Walter? Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais vous dire également que j'étais pas très à l'aise avec le marché tel qu'il vient d'être présenté. J'ai aucun souci sur ce que vous souhaitez faire. Vous nous l'avez présenté, je ne sais plus quand, au conseil municipal. Le processus est intéressant en termes d'économie d'énergie. Le dispositif que vous avez demandé correspond tout à fait à ce qu'il faut faire au regard de la situation de la ville. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat non plus sur la procédure de marché public et sur les diverses phases que vous avez mises en œuvre. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, sur l'opportunité, sur le dispositif, sur la procédure, en tout cas, moi, j'ai rien à dire. Sur la capacité à faire de cette entreprise non plus. Je pense quand même que ce marché n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est un marché qui est pour un montant de 10 millions d'euros quasiment sur 12 années. Donc, ce n'est pas un petit marché pour la ville de Lisieux, je ne pense pas. Enfin, vous me direz si vous en avez beaucoup de cette ampleur. Comme ça a été dit, il y a un seul soumissionnaire dont vous êtes allé avec une seule entreprise avec laquelle vous avez négocié. Alors, effectivement, ça permet d'avoir du temps et ça permet d'aller assez loin. Mais encore une fois, je pense que ce point-là était déjà pas satisfaisant. Et on n'est jamais satisfait dans un marché public quand on n'a qu'un seul prestataire, parce qu'on a le sentiment, y compris pour la collectivité dont il s'agit, de ne pas pouvoir être allé au bout de ce qu'on pouvait en termes d'intérêt général pour la collectivité, à la fois en termes de services, mais aussi en termes de prix. Donc, en tout état de cause, on a été les uns les autres dans cette situation, et je pense que c'est pas satisfaisant comme processus. Ce qui m'ennuie, pour autant, monsieur le maire, c'est que, effectivement, au mois de juin dernier, nous avons discuté ici
d'une opération qui n'avait rien à voir avec cela et qui concernait la vente d'un pavillon sur Hauteville. Vous nous avez dit vous-même, ce n'est pas nous qui l'avons, pas moi qui l'ai inventé en tout cas, ni personne d'autre, puisque vous nous avez dit vous-même que quand je vous ai demandé selon quelle modalité vous aviez rendu publique cette opération de vente d'un bien acquis par la ville, vous avez répondu « c'est du bouche à oreille ». Et comme par hasard, ce n'est pas sans lien. Et j'ai envie de dire, vous nous avez fait vous avez rappelé à notre, au conseil municipal à ce moment-là l'existence de cette entreprise et du chef d'entreprise. Et je pense que quand on met les deux éléments, ça devient ennuyeux, si vous voulez. C'est tout. Et c'est pour ça que j'ai pas d'éléments de droit à vous opposer. Simplement, je dis, je suis mal à l'aise et je serais encore plus mal à l'aise si j'étais à votre place de présenter un dossier comme celui-là, non pas sur le fond, non pas sur la procédure, mais sur ce que ça donne à voir et dans un dispositif de cette nature. Et je pense que ce que l'on peut attendre de nous, l'exigence de nos concitoyens dans une gestion de collectivité, c'est que nous ayons la meilleure prestation possible, au prix le meilleur possible, et avec une garantie pour cela de concurrence. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de concurrence et il y a quelqu'un qu'on connaît qui s'est fait remarquer sur un sujet sur lequel il aurait mieux valu qu'il n'apparaisse pas. Je dis les choses comme je pense. Donc, moi, je pense que, effectivement, j'entends bien tout ce que vous avez dit sur « il y a urgence, aurait dû faire depuis longtemps », vous n'avez pas tort là-dessus. Je ne vais pas dire le contraire de ce que je pense. Mais c'est très gênant pour vous de vous mettre dans cette situation-là. Et je pense que s'il n'y avait pas cette urgence, il vaudrait mieux, il eût mieux valu d'ailleurs, ça a été dit, considérer que c'était infructueux et recommencer une procédure et vous assurer que vous auriez plusieurs entreprises qui eussent été en situation de soumissionner et d'avoir une vraie concurrence et vous auriez été irréprochable dans ce processus-là. En tout état de cause, je n'imagine. Enfin, si vous prenez cette décision, je l'approuverai. Je n'ai pas compris que c'était votre intention au regard de la réponse que vous avez faite précédemment. Donc, nous voterons contre votre décision sur ce marché pour la raison que j'ai expliquée. Je vous remercie. Jean-René Desmond, et puis après, Monsieur Dessart. Oui, je vais vous répondre, Madame Walter, sur la question de la vente du pavillon. Enfin, je tiens quand même à préciser que la vente, lorsque la ville vend un bien, enfin, vous le savez, Madame Walter, je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est quand même très, très encadré. La ville a évidemment demandé l'avis des domaines, les domaines ont donné un montant qui a été déterminé, la vente a eu lieu exactement au montant des domaines, donc ce n'est pas nous qui avons décidé le prix, c'est les services fiscaux, donc je tiens quand même à le préciser. Et puis il y a un point qui est important dans ce dossier, c'est que la maison elle avait été achetée peu de temps auparavant. À l'époque, c'était M. Mercier qui avait pris la décision. C'est peut-être un achat qui n'était pas forcément pertinent, mais bon, peu importe, on ne va pas revenir dessus. En tout cas, la maison avait été achetée, elle a été revendue exactement au prix qu'elle avait acheté à l'époque. Et je tiens quand même à préciser qu'entre les deux, on a quand même eu des squatteurs à l'intérieur, on a eu aussi une partie de mobilier qui a été enlevée et une partie aussi du cuivre qui a disparu, forcément. Quand une maison reste à l'abandon, généralement, il y a des opportunistes qui viennent à l'intérieur. Donc, on avait une maison quand même très dégradée, en très mauvais état, qu'on a réussi à revendre à la valeur qu'on l'avait achetée, ce qui fait que pour la ville, c'est une opération blanche. Et en plus, rajoute à ça que voilà, c'était dans l'estimation des domaines. Donc franchement, venir aujourd'hui nous accuser, ou en tout cas faire des suppositions comme vous indiquez, moi je trouve que c'est totalement infondé, en tout cas pour cette vente. Monsieur Dessart. Oui, donc je vais répondre sur ma partie. Donc le fait d'avoir un seul candidat, donc comme je vous l'ai expliqué, nous on a l'habitude de répondre à ce type de procédure. On fait un très grand nombre de marchés à performance. D'ailleurs, sur l'estimatif, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous, on a plutôt tendance à mettre 10-15 points au-dessus par rapport à l'estimatif. On reste dans notre estimatif de ce marché qu'on avait donc fait en avril dernier, voire même avant,
en février 2022, on savait à peu près où est-ce que vous alliez tomber. Et aujourd'hui, on est à quasiment 100 000 euros près sur la tranche ferme, sur le même prix. Donc aujourd'hui, vous aviez déjà quand même un élément de comparaison. C'est pourquoi on s'est battu pour avoir, sur la phase audition et négociation, pour avoir des prix qui soient dans la gamme de prix qu'on retrouve aujourd'hui sur ce type de marché. Donc aujourd'hui, il y a peu de chances que même si vous ayez eu deux ou trois candidats, les prix soient partis dans un sens ou dans l'autre, vous seriez dans la même gamme de prix. Donc pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Notre estimatif, comme vous pouvez le constater, il était très proche de ce qu'aujourd'hui a proposé le candidat. Donc voilà. René ? On l'évoquait tout à l'heure en CAO, hein, les prix ont tendance à augmenter de manière un peu inconsidérée en ce moment. Donc plus on attend aussi pour la passation du marché, plus on risque d'avoir aussi des prix assez élevés. Alors il y a une indexation, donc ça prend en compte, mais on risque quand même d'avoir une augmentation assez forte. Madame Walter. Oui, monsieur le maire, je vais juste répondre à ce qu'a dit monsieur Desmonts, parce que je pense que vous vous souvenez de mon intervention. Je vous ai, au mois de juin, pour ce pavillon, je vous ai posé des questions. Je vous ai donné acte à la fois de l'achat, effectivement, qui avait été engagé par la municipalité précédente et de la vente, puisque je vous avais demandé pourquoi on achetait en février pour vendre en juin. Et vous m'aviez répondu, j'avais donné acte de la réponse. Deuxièmement, je vous avais demandé si c'était une préemption, vous m'avez répondu et je vous ai donné acte de la réponse que vous aviez faite. Et ensuite, j'avais eu deux autres questions. Une question qui portait sur la nature de la publicité faite de cette vente. Et il m'a été répondu, vous m'avez répondu, monsieur le maire, c'était du bouche à oreille, donc je ne pense pas l'avoir inventé. Et ensuite, poser la question de l'identité de la personne qui était derrière la SCI, dont j'avais demandé l'adresse en commission, et adresse qui m'avait été effectivement donnée. Donc, j'estime avoir eu les réponses, en tout cas. Vous aviez été très complet, encore une fois, sur les réponses que vous aviez données, sauf la dernière. Et je n'ai jamais... poser de questions ou critiquer, c'est en cela que je réponds à Jean-René Desmonts, jamais mis en cause l'opportunité de la décision que vous avez prise, monsieur le maire, de la vendre, puisque aucune de mes questions n'a porté sur cette opportunité. Je pense que vous avez pris la décision, sans doute, qu'il vous fallait prendre. C'était sur d'autres sujets. Je vous remercie. Très bien, Mme Walter. Je voudrais néanmoins rappeler, et je le dis publiquement, que le cabinet ECCI a eu totalement les mains libres pour gérer ce marché, le monter, parce que vous imaginez bien que techniquement, il faut être baigné dedans au quotidien et il faut connaître évidemment toute la technique liée à l'éclairage public, ce que je ne connais absolument pas, et qu'évidemment, on a besoin du conseil d'une entreprise comme ECCI, que je remercie pour la qualité de son travail et pour tous les échanges que nous avons pu avoir, et bien évidemment dire que rien n'a été piloté par la ville, mais il est important pour nous aujourd'hui de sécuriser l'éclairage public, parce qu'on est, comme vous l'avez compris, on n'est absolument pas sécurisé quant à la gestion de cet éclairage public. On ne sait pas gérer autrement qu'à l'armoire cet éclairage public. Ça veut dire qu'on ne sait pas le gérer à la rue. Quand le marché aura pris son essor, on pourra gérer à la rue, mais on pourra aussi gérer l'intensité d'éclairage. Et on ne sera plus obligé d'éteindre ou d'allumer. Voilà, c'est soit rien, soit tout. À l'avenir, on aura une gestion, même si elle ne sera pas encore optimum, puisqu'on n'est pas, on ne parle pas là encore du déclenchement par infrarouge lorsqu'un piéton passe. Hein, on n'en est pas là. On n'en est pas non plus à l'allumage d'un candélabre sur deux. On est encore dans la phase avant, hein, juste avant, gestion, juste la gestion et donc la gestion à la rue, le renouvellement de matériel, évidemment. Le changement des lampes dès que ce sera possible. Voilà ce que je voulais ajouter. Et en tout cas, j'ai la, la, la,
l'intention et la ferme intention de faire économiser en année pleine 438 000 euros à la ville de Lisieux, et ce, tous les ans, à partir du moment où le marché sera conclu. Voilà. Je vais redonner la parole à Jean-René Desmonts qui va nous présenter la délibération. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Délibération donc 2022-171 qui concerne donc le marché de public global de performance. Alors, je vais faire assez bref parce qu'on a déjà évoqué assez longuement ce marché. Donc, marché qui a fait l'objet donc d'une procédure de dialogue compétitif qui a lieu donc dans le cadre du marché public global de performance qui est prévu par le code de la commande publique. Marché qui est, dont le délai était fixé à 12 ans comme on l'a évoqué. Le cabinet ECCI qui est ici présent nous a assisté donc pour toute la procédure d'élaboration de la consultation et de passation donc du marché. Donc on a respecté évidemment la procédure avec les avis d'appel public à la concurrence, enfin tout a été fait bien entendu dans les règles. Et ensuite un dialogue compétitif donc s'est déroulé avec le soumissionnaire donc qui a été invité le 4 août à préciser et améliorer donc certains points de son offre. Et le 26 septembre, il a été convié également à compléter une liste des précisions de cadrage et de rémunération. Donc, il y a eu effectivement une phase de négociation qui a permis de faire baisser certains postes, comme ça a été évoqué par le cabinet ECCI. La CAO s'est réunie donc ce jour pour ce marché et a donné un avis favorable. Donc la procédure donnera lieu au versement d'une indemnité forfaitaire de 10 000 euros hors taxe à la tributaire qui vaudra avance sur les sommes à valoir sur son marché ultérieur. Donc, on vous propose de procéder à l'autorisation de signature de ce marché, qui sera d'un montant effectivement estimatif de 9 360 500 euros hors taxe. C'est ce que nous attribuons ce soir. Donc, ouais. La délibération, je vous passe les visas, autorise le maire à signer donc, le marché public global de performance associant la modernisation, la rénovation, l'exploitation, la maintenance et la gestion des installations d'éclairage public et des installations connexes de la ville de Lisieux, ainsi que les pièces administratives se rapportant au marché, avec l'entreprise donc Réseau Environnement et SPI, parce que c'est un groupement, 6 ZAC Léo de Glo, 1496 boulevard Jean-Charles Contel, à Glo, pour un montant estimatif de 9 360 500 euros hors taxe. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Nous allons reprendre l'ordre du jour de notre conseil municipal. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance du 26 septembre qui vous a été adressé le 28 octobre. Il vous a été laissé un délai de 5 jours francs à réception de ce document pour faire vos observations éventuelles. Aucune observation ne m'ayant été formulée, je considère ce procès-verbal approuvé. Modification statutaire de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie. Les évolutions législatives impactant le bloc local ont provoqué des évolutions au sein de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie, qui doit en prendre acte dans ses statuts. Lors de la séance du 29 septembre 2022, le Conseil communautaire a approuvé les modifications suivantes. Tout d'abord, le siège de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie est désormais situé 11 place Mitterrand à Lisieux. La loi dite engagement et proximité du 27 septembre 2019 prévoit un nouvel outil de mutualisation au service des communes sous la forme d'un mandat de groupement de commandes permettant à la communauté d'agglomération d'assurer au nom et pour le compte des communes membres la passation ou l'exécution de marchés publics indépendamment des missions de coordonnateur de groupement et en dehors des compétences transférées. Ce mécanisme doit figurer dans les statuts pour être mis en œuvre. Cette loi supprime par ailleurs la catégorie des compétences optionnelles. Le projet de statut en tient compte en regroupant les compétences autres qu'obligatoires sous le libellé « compétences supplémentaires ». La prise des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines est intégrée au statut ainsi que la définition de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines telle que déterminée par le Conseil communautaire. En complément, quatrième point, en complément de la compétence relative aux maisons de services au public, la communauté d'agglo se dote de la compétence relative à la labellisation de ses maisons en maison France Service. Cinquième point, la communauté d'agglomération se dote d'une nouvelle compétence supplémentaire relative à la gestion de l'éclairage public au sein des zones d'activité économique. Cette précision paraît nécessaire eu égard au flou entretenu par la loi NOTRe sur l'étendue de la compétence zone d'activité économique, notamment sur la question des réseaux rattachés aux zones d'activité.
Enfin, sixième point, la compétence gestion des équipements touristiques devient une compétence supplémentaire et fait l'objet de deux modifications. La compétence création, aménagement, entretien, gestion des équipements touristiques est restituée aux communes sur les volets camping de Lisieux, Livarot et Orbec, ainsi que les aires de camping-car situées sur les communes de Cambremer, Courtonne, La Meurdrac, Notre-Dame de Courson, Saint-Cyr-du-Ronceret, Saint-Julien-le-Faucon, Saint-Pierre en Nauge. Peut-être faudra-t-il, en lieu et place de Notre-Dame de Courson, monsieur le directeur, mettre commune de Livarot Pays d'Auge, commune déléguée de Notre-Dame de Courson. Et Saint-Julien-le-Faucon, c'est la même chose. Puisqu'on reprend en suivant Saint-Pierre-en-Auge. La compétence sentier de randonnée est redéfinie. La communauté d'agglomération assurera désormais la création, l'aménagement, l'entretien, la signalisation, le balisage et la gestion des sentiers de randonnée tels que référencés dans un schéma communautaire des sentiers de randonnée. En termes de procédure, à compter de la notification de la délibération au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, la décision des communes est réputée défavorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement, à savoir 2/3 des conseils municipaux représentant 50% de la population, ou l'inverse, avec l'accord de la commune la plus peuplée en représentant plus du quart de la population. En cas d'approbation aux règles de majorité fixées, le préfet prend un arrêté pour acter de ces modifications. Est-ce qu'il y a des questions ? Johnny Briard. Oui, bonsoir à tous. Non, ce ne sera pas une question, mais une observation, monsieur le maire, tout de même. Concernant le camping de Lisieux, on récupère la gestion du camping de Lisieux. Ça pose quand même question. C'est dans quel état on récupère ce camping ? Ce camping est en gestion par l'agglomération de Lisieux-Normandie depuis quelques années. Depuis, on a perdu une étoile, on a augmenté les tarifs de 15%. On a confié la gestion à Terre d'Auge. Puis aujourd'hui, l'agglomération ne souhaite plus conserver cette compétence, donc nous redonne le bébé. Donc, si je peux dire, donc je trouve on peut se poser quand même la question aussi du patrimoine que nous confions à l'agglomération Lisieux-Normandie. On peut penser au conservatoire sur lequel l'agglomération ne souhaite pas faire de travaux, ou quand bien même le château de Saint-Germain-de-Livet, qui est dans un triste état avec un escalier qui s'est effondré dans le château. Donc tout ça pose question sur le patrimoine que l'on confie à l'agglomération Lisieux-Normandie. Merci Johnny. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Au patrimoine pour lequel on se pose des questions, on peut, même si j'ai reçu récemment un courrier du président de l'agglomération, on peut ajouter la médiathèque. Parce qu'il faut regarder dans quel état est le pourtour et le toit de la médiathèque. C'est quand même assez inquiétant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions. Alors, je vais vous demander de voter, de donner un avis favorable et donc de voter pour la modification des statuts de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie telle qu'annexée à la présente délibération. Donc, attention, soyez attentifs. Qui est pour ? Unanimité, je crois. Merci. Délibération 165, Madame Lecourt, alliance, adhésion à l'APEPA. Bonsoir. Merci, Monsieur le maire. L'Alliance pour le patrimoine des églises en Pays d'Auge, adhésion. L'Alliance pour le patrimoine des églises en Pays d'Auge, l'APEPA, a été créée en 2019 par des bénévoles amoureux du patrimoine des petites églises en Pays d'Auge. Son but est d'ouvrir ses églises et d'y amener du public en organisant des visites, des animations et en diffusant le plus largement possible les visites et les animations organisées par les associations adhérentes. Il s'agit donc de fédérer le plus d'églises possible en Pays d'Auge pour leur assurer une meilleure visibilité en favorisant la communication entre les adhérents et l'information des visiteurs potentiels. Le montant de la cotisation est modeste, il est de 60 euros pour l'année 2022. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Opération de recensement de la population, délibération 166, Henri Ojara. Chers collègues,
En application de la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 et de ce décret d'application, le recensement de la population est organisé chaque année janvier à février. Pour les communes de 10 000 habitants et plus, cette collecte se déroule par sondage auprès d'un échantillon d'adresses établies dans le répertoire d'immeubles localisés et représentant 8% des logements répartis sur l'ensemble du territoire communal. La répartition des rôles entre la ville et l'INSEE est fondée sur l'expérience de recensement généraux et la commune prépare et réalise l'enquête de recensement et doit, à ce titre, autoriser le maire par délibération à être responsable de l'enquête de recensement, nommer un coordinateur, Stéphanie Lescal, directrice des services à la population, ainsi qu'une coordinatrice adjointe, Mylène Binet, responsable élection. Recruter les agents recenseurs. Il est proposé de désigner 5 agents recenseurs, soit après des agents titulaires et contractuels de la ville, qui seront alors rémunérés selon les conditions statutaires, soit par appel à la candidature rémunérée sur la base de la population INSEE N par 1, indemnité journalière 13 euros, feuille de logement 1,30 euros, bulletin individuel 1,30 euros. Chaque séance de formation obligatoire sera rémunérée forfaitairement 25 euros par demi-journée. Majoration supplémentaire de 100 euros pour 50% des logements enquêtés à la troisième semaine. Majoration supplémentaire de 200 euros pour 90% de logements enquêtés à la cinquième semaine. Mettre à disposition les locaux, des matériels téléphoniques fixes, portables et informatiques. L'INSEE organise le contrôle, la collecte des informations et fournit les imprimés. Il dispense la formation aux enquêteurs à raison de 2 demi-journées. Il attribue une dotation forfaitaire calculée en fonction de la population légale en vigueur au 1er janvier, N-1, et du nombre de logements publiés en juillet, N-1, et d'un taux de réponse Internet fixé par arrêté. Ainsi, plus le taux de réponse Internet croît, plus la dotation diminue. Merci, Monsieur Ojard. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, on poursuit. Henri. Donc, c'est adopté. Donc, prend acte du disposition de recensement de la population lexovienne. Nomme le coordinateur ainsi que son adjointe. Chargez le maire de la préparation et de la réalisation de l'enquête du recensement. Recrute les agents recenseurs pour la période de janvier à février, soit auprès des agents titulaires et contractuels de la ville, qui seront alors rémunérés selon les conditions statutaires, soit par appel à candidateurs rémunérés sur la base de la population INSEE N-1, comme indiqué dans le rapport ci-dessous. Merci à M. Ojard. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Denis Fraquet, tableau des emplois permanents à temps complet, non complet, modification numéro 5. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, conformément au Code général des collectivités territoriales, les emplois permanents de chaque collectivité sont créés par son organe délibérant. Il vous appartient donc de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. Donc, vous avez reçu les différents changements. C'est juste du fait des changements de filière ou des avancements de grade. Les postes qui sont supprimés, c'est ceux qu'on avait créés à un autre poste au dernier tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions ?
Madame Walter. Oui, monsieur le maire, je ne vais pas me répéter ni continuer sur ce sujet longtemps, donc je vais être brève. Je voudrais simplement, si vous voulez bien, que l'on puisse faire un point, peut-être lorsque vous déciderez, enfin la date que vous déciderez pour nous présenter le budget, que l'on puisse à ce moment-là avoir une vision un peu globale et dans le temps de l'évolution du tableau des emplois. Et en l'espèce, sur ce que vous nous présentez aujourd'hui, nous ne participerons pas au vote. Merci. Je n'ai pas compris la question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Vous savez qu'il y a du DIF, Madame Walter, et sur ce sujet-là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et peut-être qu'il faut utiliser le DIF pour avoir une formation sur la gestion des RH et la compréhension des délibérations qui nous sont proposées. Voilà, donc s'il n'y a pas de... Mais merci, monsieur le maire, de penser à ma formation et à ma... Je pense à notre forme. C'est très gentil. Je pense à notre forme, nos formations à tous. Je te le dirai, Denis, je t'expliquerai. Ton micro est ouvert, Denis, donc tu peux reprendre la parole et poursuivre avec la délibération. On est dans le brouillard, là. Allez, ma délibération, du coup. Tiens. Elle est là. Tiens. Bon, vu le différent, hein, considérant la nécessité de créer ou de supprimer des emplois permanents à temps complet et non complet, pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, décide de créer au 1er décembre 2022 les emplois permanents à temps complet et non complet, suivant le tableau que vous avez, décide de supprimer au 1er décembre 2022 les emplois permanents à temps complet et non complet, suivant le tableau que vous avez, autorise le recrutement sur un emploi permanent d'un agent contractuel dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée ou indéterminée, conformément aux conditions fixées par l'article L332-14 ou à l'article L332-8 du Code général de la fonction publique, précise qu'en cas de recrutement au titre de l'article L322-8 du Code général de la fonction publique seront indiqués le motif invoqué du recrutement d'un agent contractuel, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et les niveaux de rémunération. Dit que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget principal, chapitre 012, articles 64-111 et 64-131, autorise le maire ou l'adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires générales à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Dit qu'ampliation de la présente délibération sera transmise au sous-préfet de Lisieux et au trésorier principal de Lisieux. Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions ? Madame Walter, c'est tout votre groupe qui ne participe pas au vote, y compris... Comment ? On est six à ne pas comprendre, mais on va faire une formation selon vos préconisations. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? On verra ça. C'est difficile de vous expliquer si vous ne nous dites pas ce que vous ne comprenez pas. Allez, peut-être une piqûre de rappel sur le deuxième, sur la suivante. Délibération 168. Monsieur Fraquet, régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Mise à jour. Second semestre 2022, nouvelle mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétion, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Il ne marche pas ? Allez-y. Est primordial afin d'inclure les grades des orthophonistes, ergothérapeutes et psychomotriciens territoriaux. Cet ajout est en corrélation avec la mise à jour du tableau des emplois permanents à temps complet et à temps non complet. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Tout le monde a tout compris. Alors, on poursuit. Vu les attendus, considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de délibérer sur les conditions et modalités du versement des deux parts de RIFSET composées de l'IFSE et du CIA, il est proposé de modifier le cadre d'application du régime indemnitaire selon les modalités exposées dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 que vous avez eues. Abroge la délibération 2021-129 du 8 novembre 2021
portant mise à jour du RIF 7, approuve les modalités d'attribution du régime indemnitaire à compter du 1er décembre 2022 et pour les exercices suivants et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5. Autorise le maire ou l'adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires générales à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Dit que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la ville, chapitre 012, articles 64-118 et 64-138. Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Indemnité horaire pour le travail de nuit, et donc nous l'instituons puisque ça n'existait pas. Monsieur Eustache. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc indemnité horaire pour travail de nuit. Dans la fonction publique territoriale, le travail de nuit est régi par différentes dispositions législatives et réglementaires. Il comprend au moins la période comprise entre 22h et 5h, ou une autre période de 7h consécutives comprise entre 22h et 7h. Les bénéficiaires sont les agents titulaires, stagiaires et contractuels intervenant au sein des services municipaux et exerçant des missions exceptionnelles, exemple installation des illuminations de Noël, sur des plages horaires allant au-delà de 22h. Lorsque le service de nuit est assuré pendant la durée normale de travail, aucune indemnisation n'est prévue par la réglementation, et à l'exception de l'indemnité horaire pour travail de nuit qui peut être octroyée par décision de l'Assemblée délibérante. Le taux horaire de cette indemnité est de 0,17 euros par heure en cas de travail normal, 0,97 euros par heure en cas de travail intensif. La notion de travail intensif correspond à une activité continue, ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. Ces indemnités ne sont pas cumulables avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, IHTS, ou tout autre avantage versé au titre des permanences de nuit. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? On poursuit. Considérant que les agents de la ville peuvent être amenés à effectuer une partie de leur service après 22 heures, approuve le rapport ci-dessus, décide d'instituer l'indemnité horaire pour travail de nuit dans les conditions visées ci-dessous à compter du 1er décembre 2022. Le taux horaire de cette indemnité est de 0,17 euros par heure en cas de travail normal, 0,97 euros par heure en cas de travail intensif. La notion de travail intensif correspond à une activité continue ne se limitant pas à la simple tâche de surveillance. Rappelle que ces indemnités ne sont pas cumulables avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé au titre des permanences de nuit. Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales seront inscrits au budget de l'exercice 2022 et au budget des exercices suivants. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Antoine Avard, convention cadre de partenariat entre la ville et le CCAS. Merci beaucoup. Chers collègues, afin de poursuivre la mutualisation des services entre la ville et le Centre communal d'action sociale, une mise à jour de la convention cadre est nécessaire permettant d'optimiser la gestion de ces services et de continuer à offrir des prestations de qualité à la population. Pour aller plus loin dans cette logique, la ville et le CCAS souhaitent harmoniser un cadre d'intervention commun pour la direction générale des services. De ce fait, il est nécessaire de conclure un avenant à la convention de services commun initiale afin de prendre acte de cette nouvelle mutualisation. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Walter. Merci Monsieur le maire. Là encore, je n'ai pas compris. Je me souviens très bien du débat que nous avons eu sur la concernant l'égalité des droits et le centre. Walter, est-ce que vous pouvez allumer votre micro ? Oui, on vous entend, mais les internautes ne doivent pas vous entendre. Non, je vous remercie, mais effectivement, j'avais l'impression que je n'avais pas appuyé assez fort. Monsieur le maire, effectivement, je n'ai pas complètement compris, ou du moins précisément compris, ce que vous avez l'intention de faire et surtout quel dispositif opérationnel vous allez mettre en place avec cette convention qui me semble telle qu'elle a été décrite et telle qu'elle est présentée dans le dossier du conseil municipal comme un peu floue et insuffisamment précise. Alors, je pense que tout le monde se souvient du débat que nous avions eu, ou plutôt des demandes d'explications que nous vous avions demandées
lors du débat que nous avons eu ici même au sujet du legs Dubois et du centre de santé. Il y avait autour de cette table des questions, il y avait des interrogations sur l'opportunité et au regard des précisions que vous nous aviez données avec Madame Mangeant, des explications très précises que vous aviez faites, données et données, vous nous aviez convaincus. Donc, nous avions accepté le schéma que vous nous proposiez. Bon. En l'espèce, là, vous allez, je dirais, beaucoup plus loin, dans la mesure où ce n'est pas précis et ce n'est pas clair, c'est sans doute ceci qui explique cela, mais en tout état de cause, le CCAS constitue aujourd'hui une entité juridique propre dans le dispositif et dans ses relations avec la municipalité. Et là, vous parlez de mutualisation, de pilotage par le directeur général des services de la ville. Bref, la question qu'on se pose, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont va fonctionner le CCAS ? Quelles seront les différences avec ce qui fonctionne depuis des années ? Quels sont les changements opérationnels et concrets que vous allez obtenir avec cette nouvelle convention ? Et concrètement, quelles seront les conséquences sur, je dirais, ce qui fait aujourd'hui l'autonomie du juridique, en tout cas du CCAS que vous présidez, et aussi quelles seront les conséquences s'il y en a pour les citoyens, les lexoviens qui bénéficient des services du CCAS. Voilà, à ce stade. Merci. Je vais vous citer un exemple, si vous voulez. Les finances, par exemple. Vous avez le service financier du CCAS. Il y avait deux agents qui étaient dans les locaux du CCAS. On les a inclus dans l'équipe du service financier de la ville. Et ce qui fait que, si vous voulez, si demain, ils ont trop de travail, l'équipe municipale finance les aidera, et réciproquement. Ça permet de mutualiser les services et de ne pas avoir, je dirais, que dans un coin, quelqu'un qui travaille, dans l'autre coin, quelqu'un qui travaille. C'est un peu ça. Mais par contre, je pense que le maire vous répondra. Mais pour les lexoviens, ça ne changera pas quoi que ce soit. Puisque le CCAS reste indépendant, puisque c'est un organisme indépendant, qui a son conseil d'administration. La seule chose, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même la ville qui fait la subvention d'équilibre. Merci, Denis. En complément, c'est pour créer un petit peu plus de lien entre la ville et le CCAS, hein, puisque je pense qu'il était nécessaire que le président et le maire puissent avoir la même direction, ce qui est quand même beaucoup plus facile pour gérer ces deux entités, en tout cas la même direction partielle pour ce qui s'agit de la direction générale des services. Et évidemment, le directeur qui a été recruté au CCAS et que je salue a bien été embauché avec cette idée de mutualisation. Vous avez dit exactement qu'est-ce qui fait l'autonomie du CCAS. Ce qui fait l'autonomie du CCAS, c'est le 1 400 000 que la ville verse en subvention au CCAS. Voilà, je crois que quand on a dit ça, on a tout dit. Et puis, évidemment, ça ne changera rien, ou peut-être que ça changera pour les citoyens, mais en tout cas, on espère que le service pourrait encore, si ça devait l'être, s'améliorer pour nos lexoviens. Voilà. Antoine, on poursuit. Ah, bah, levez la main, Madame Walter, parce que là, je peux pas savoir si vous avez encore. Ah non, mais d'autres peuvent s'exprimer. Il y a d'autres membres du conseil municipal. Pour que les gens s'expriment, il faut qu'ils lèvent la main, Madame Walter. Très bien, très bien. Je vais avoir compris. Ou alors qu'ils m'interpellent, mais. Non, mais je vous interpelle poliment. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais... Une fois que vous m'avez répondu, que Monsieur Fraquet et vous-même m'avez répondu, il y a quand même quelques éléments qui sont pas complètement précis. C'est quelles sont les conséquences sur les décisions prises.
C'est-à-dire, est-ce que les décisions sont prises au sein du CCAS et par les agents du CCAS, par le directeur du CCAS, ou est-ce qu'il y a une intervention du directeur général des services de la ville ou de services de la ville dans les décisions qui sont prises, puisque, enfin, c'est une question, dans la mesure où Denis Fraquet nous a expliqué l'aspect mutualisation, et notamment mutualisation des personnels, j'ai envie de dire, son argument est comme souvent pertinent, donc je ne peux pas dire autre chose à ce stade. De la même façon, monsieur le maire, quand vous dites il y aura plus de liens, il faut qu'il y ait la même direction, bah, oui, mais est-ce que la vraie direction sera la direction générale des services de la ville ou le directeur du CCAS ? Première question. Deuxièmement, les conséquences sur les décisions prises, je l'ai posé. Et effectivement, moi, comme j'ai bien réfléchi à ce que vous pouviez faire, je me suis aussi demandé comment vous alliez en tirer les conséquences sur l'utilisation des diverses ressources du CCAS. Parce que le CCAS a des ressources qui viennent de diverses origines. Il y a ce qui concerne les dons et legs dont on a parlé déjà et donc sur lesquels on est clair, c'est-à-dire que ce sont des ressources qui sont propres, ce sont des legs qui sont attribués au CCAS et qui sont, comme on l'a vu avec le leg du bois, je dirais protégés, ou qui, lorsque effectivement la personne qui lègue a une mention de souhait de destination des fonds, c'est cela que l'on applique. Donc, ce point-là me semble clair, en tout cas. Il y a un deuxième élément, c'est les ressources qui sont liées à un certain nombre de services et de prestations qui sont assurées par les CCAS et qui sont éventuellement, qui viennent de diverses origines. Là-dessus, il me semble que, qu'il n'y a pas de... que là aussi, ce sont des moyens qui sont en propre et sur lesquels on ne peut pas agir. Et donc, j'en viens effectivement à ce que vous venez de dire sur l'équilibre et sur la subvention de la ville, qui est la troisième source de financement du CCAS. Est-ce que vous avez a priori, je vais être claire dans ma question, est-ce que vous avez a priori décidé là aussi éventuellement de limiter ou de vous donner un budget et de ne pas, parce que vous n'avez sans doute pas, monsieur le maire, dit par hasard la ville gère l'équilibre, enfin traite l'équilibre. Donc par conséquent, on peut imaginer que vous soyez mécontent de gérer en gros la différence entre les ressources et les dépenses, et que vous ayez un objectif de ce point de vue-là sur le plan budgétaire, est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est un objectif que vous vous fixez ? Voilà, merci. Alors, Madame Walter, plusieurs choses. D'abord, c'est le maire qui est président du CCAS et qui donne délégation à son adjointe pour le présider en son absence. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Qui dirige le CCAS, c'est le maire ou l'adjointe par délégation. Les directeurs prennent les directions qui leur sont insufflées par les élus et notamment par le conseil d'administration du CCAS, qui est la seule autorité à décider de ce qui se passe au CCAS. Alors, si je me trompe, vous n'hésiterez pas à me reprendre. Voilà, le maire et le conseil d'administration prennent des décisions, prennent des orientations, prennent des directions, et la direction applique ce que le conseil d'administration souhaite. Point final. Avant que je n'oublie, il y a un point important pour le nouveau directeur du CCAS, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le directeur du CCAS ne siégeait pas au comité de direction de la ville. Voilà. C'est-à-dire qu'il était écarté ou il se mettait en marge du fonctionnement de la ville.
Je ne vais pas vous dire c'est la faute des DGS successifs ou c'est la faute de l'ancien directeur du CCS, mais en tout cas, il ne siégeait pas au comité de direction. Donc c'est quand même pour un organisme comme le CCS qui a besoin des fonctions support de la ville, parce que Denis a parlé des finances, mais il y a aussi les ressources humaines. Le CCS s'appuie beaucoup sur les ressources humaines, le service ressources humaines de la ville, mais aussi a besoin parfois des services techniques, et puis on trouvera encore beaucoup d'autres exemples. Le CCS ne modifie en rien son fonctionnement, tant sur la gestion des legs qui sont quand même assez rares en ce moment, même si on doit gérer le leg du bois. Ça ne change rien parce que il y a aussi un certain nombre de financements liés à des partenaires, et je pense au conseil départemental du Calvados. Donc là, ça ne change rien puisque on ne modifie absolument pas le fonctionnement statutaire du CCS, mais j'en oublie, et Cindy Mangeant me glisse aussi qu'on a des financements de l'ARS. Voilà, en ce qui concerne les autres ressources qu'on doit encaisser, ne serait-ce que sur la vente des repas dans nos résidences pour personnes âgées, là non plus, ça ne change absolument rien. Je crois que cette délibération démontre plutôt que l'ensemble des services ou en tout cas le CAS s'associe à l'ensemble des services de la ville pour trouver un meilleur fonctionnement. Allez-y, Mme Walter. Alors, merci d'avoir répondu avec précision à la série de questions que je vous ai posées. Il y en a une à laquelle vous n'avez pas répondu. Il est clair que les orientations, elles sont prises par le conseil d'administration, que ça reste le cas et que, effectivement, vous présidez le conseil d'administration ou votre première adjointe déléguée par vous-même. Donc, sur les orientations, ça a toujours été le cas. Simplement, quand je posais la question qui prend les décisions, il y a des orientations, il y a un projet, il y a des innovations, il y a tout ce qu'on peut faire et qui se traite en conseil d'administration, mais il y a un CCAS, c'est une de ses caractéristiques, toute une série infinie de décisions individuelles. Et donc, la question, justement, ma question, c'était est-ce que sur les décisions individuelles, ça reste des décisions du CCAS ou c'est des décisions qui sont prises ailleurs? C'est pas neutre comme question, mais en tout état de cause, ça fait partie des questions et des décisions qui sont prises au sein du CCAS. Merci. Ouais. Les décisions restent prises par le directeur du CCAS à partir du moment où il respecte la ligne directrice fixée par le président du CCAS. La seule différence, c'est que le DGS, le directeur général des services, est informé des décisions prises par le directeur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Des décisions individuelles ? Oui, mais qu'est-ce qu'une décision individuelle ? Y a des décisions qui concernent des personnes. Toute la journée au CCAS. Mais quelles personnes ? Les personnes qui demandent des prestations, qui bénéficient de prestations. Mais non, c'est une commission d'attribution, Mme Walter. C'est fait par les élus. Non, mais bien entendu, mais quand même. Non, mais on ne change pas ce fonctionnement. On change pas ce fonctionnement au sein du CCAS. Voilà, il y a des mutualisations qui se font. On ne change pas le mode de fonctionnement du CCAS. Voilà, il n'y a pas de différence sauf à ce que le directeur soit complètement transparent maintenant avec son maire et maintenant le DGS de la ville. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions ? Antoine ? Merci. Considérant la mise en œuvre d'une politique de rapprochement avec le CCAS en apportant ses moyens, son savoir-faire et son expertise permettant ainsi d'optimiser la gestion de ses services et de contribuer à offrir des prestations de qualité à la population. Considérant que le processus de mutualisation est étendu à la direction générale des services, objet du présent avenant,
décide de poursuivre la mutualisation des services de la ville et du CCAS selon les modalités fixées au présent avenant, autorise le maire ou l'adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires générales à signer l'avenant numéro 1 à la convention de services communs ville-CCAS. Merci Antoine. Une dernière précision. Si nous avions décidé d'intégrer le CCAS, l'objet CCAS, l'objet du CCAS au sein de la ville, nous aurions saisi l'occasion de vous le présenter. Nous ne présentons qu'une mutualisation de ces services et il n'est absolument pas question pour moi d'intégrer la fonction ou la compétence du social au sein de la ville de Lisieux. Voilà, je vais vous demander de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je vous en... Ah, ben vous voyez, j'ai été qu'à moitié persuasif. Oui. Je suis sérieuse, monsieur le maire. Merci, et je dis ça pour tout le monde, c'est-à-dire que je pose des questions. Mes questions sont les questions, elles plaisent ou elles déplaisent. Mais en tout état de cause, après, moi, on se positionne sur les réponses que vous faites. Et là, il y a une certaine qualité des réponses. Et on a bougé notre vote. Très bien. Donc, je vous le dis, c'est mieux d'être aussi transparent. Non, mais je voulais être clair jusqu'au bout parce que je ne savais pas si c'était ce que vous vouliez me faire dire. En tout cas, j'ai compris les questions. Il y a parfois un peu de chemin. Vous avez compris les questions, y compris dans leur subtilité parfois, mais vous avez tout à fait compris, donc c'est parfait. Je n'ai pas votre subtilité, j'ai parfois du mal à comprendre peut-être, mais là j'ai compris. Bien. Délibération suivante, monsieur Desmonts. Délibération 2022-172, dans le cadre du NPNRU, l'acquisition, donc route d'Orbec, d'une surface de 442,50 m² appartenant en indivision à la société Pilzerol International et à la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie pour la création d'une voirie de desserte en vue de la construction de logements. Donc dans le cadre du NPNRU, on l'a déjà évoqué dans les précédentes délibérations, on est contraint de reconstituer l'offre de logements du fait des démolitions qui sont réalisées sur Hauteville. Et donc on avait identifié un terrain qui appartient à la SNCF, qui est situé près des lignes de chemin de fer. Et dans ce cadre-là, on doit donc aménager ce secteur et la ville doit réaliser donc la voirie de desserte, sachant qu'à l'issue, il y aura 40 logements sociaux qui seront créés et 20 logements en accession à la propriété. Donc on doit acquérir une partie de la parcelle qui est située route d'Orbec, qui appartient aujourd'hui à la communauté d'agglomération pour moitié et à la société Pleaserol pour l'autre moitié. Vous avez derrière, normalement, joint la délibération, le plan avec l'acquisition qui est concernée, qui nous permet de terminer la voirie. Donc, une offre amiable a été formulée pour ce terrain auprès de Maître Lisée, qui est liquidateur judiciaire de Pleaserol International, pour un montant donc de 10 620 euros. Alors, il faut le diviser par deux, puisque la CALN est propriétaire de la moitié du terrain. Donc, une offre de 5 310 euros pour Pleaserol International, sachant que la communauté d'agglomération a accepté de céder à la ville au prix d'un euro symbolique. Donc, on vous demande de l'autorisation de procéder à cette acquisition par la ville de cette bande de terrain. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à Walter ? C'est une question très simple. Je me souviens qu'à l'époque, lorsque c'est devenu le terrain est devenu une friche de façon globale, il y a un certain nombre d'hypothèses qui avaient été proposées ou évoquées, dont celle dont vous me parlez aujourd'hui. Et à ce moment-là, il y avait un argument qui s'était opposé à toute, je dirais, construction sur ce terrain. C'était le caractère inondable de cette zone. Est-ce que la question se pose partie-là ou pas ? Je suppose que non, mais je voulais vérifier. Alors, on est très haut sur le terrain. Je vais laisser. On est très haut sur la partie de la parcelle. On est sur la rue d'Orbec. Et c'est une parcelle qui va servir à faire de la voirie. Voilà. Donc, on ne construit pas sur cette parcelle. Oui, on va construire autour un petit peu quand même des logements. Mais de toute façon, on n'est pas en zone rouge PPRI. Donc, il n'y a pas de difficulté pour nous pour aménager le secteur. C'est ça, c'était sur les anciens, le stade de la SNCF, ouais, qui nous cède des parcelles. Il n'y a pas de... Effectivement, le sol est constitué en partie des remblais de la destruction qui ont été... Donc, voilà.
qui ont été stockés là-bas. Mais sur le plan du PPRI, il n'y a pas de difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, poursuit. Donc, vu les attendus, autorise donc l'acquisition auprès de la société Plisorol International d'une partie de la parcelle 6 route d'Orbec cadastrée section AE0151 en indivision avec la CALN d'environ 442,50 m² au prix de 5 310 € net vendeur. Autorise Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme au marché public à signer tous actes et pièces avec maître Lisée, représentant la société Plisorol International ou toute personne physique ou morale qui lui plaira de se substituer. Autorise acquisition auprès de la CALN d'une partie de la parcelle 6 route d'Orbec à Lisieux, cadastrée section AE151, en indivision avec la société Plisorol International, d'environ 442,50 m² au prix de 1 euro. Autorise le maire ou monsieur l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme, au marché public, à signer tous actes et pièces avec le président de la CALN ou toute personne physique ou morale qui lui plaira de se substituer. Précise que l'étude de maître Chancé sera chargée de présenter les intérêts de la ville et de procéder à la rédaction de l'acte notarié. Les frais correspondants à ce dossier seront pris en charge par la ville, et notamment les frais d'acte et de géomètre. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je remercie. Madame Vérague, percez le 1. Bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération concerne la sollicitation du contrat départemental dans le cadre de l'aménagement de la percée le 1. Donc, pour rappel, la percée le 1 consiste en l'aménagement d'un cheminement pour mobilité douce, qui a pour vocation donc de désenclaver le cœur de ville, donc de relier le boulevard Pasteur, Mosaïque, au centre-ville. Donc, le conseil municipal a désigné lors de sa séance précédente les entreprises attributaires des marchés de travaux avec des offres de prix connaissant une hausse au regard du contexte actuel. Donc, en effet, le budget initial acté dans le cadre de l'AP des travaux du centre-ville a été voté en 2022 et était estimé à un global de 2 825 000 euros hors taxes. Suite aux appels d'offres, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, le budget de l'opération s'élève dorénavant à 3 16 273,48 euros hors taxes, ce qui équivaut à une hausse de 191 273 euros hors taxes. Donc, à ce jour, une subvention de l'État via la DSIL a été attribuée à hauteur de 787 712,51 euros. Et également, le contrat de territoire avec la région Normandie a réservé une enveloppe de 713 252 euros. De plus, des aides financières ont également été sollicitées, donc auprès de l'Agence de l'eau pour 200 000 euros et des fonds européens pour 541 035,49 euros. Donc, afin de compléter ce plan de financement, hein, donc pour faire face à la hausse donc du prix suite aux appels d'offres, il est proposé de solliciter une subvention via le contrat de territoire avec le département du Calvados à hauteur de 171 022,71 euros. Donc, pour ce faire, la convention de contrat de territoire doit être signée avec le département et si cette subvention est acquise, le reste à charge de la ville ne s'élèverait donc qu'à 20%. Merci, Madame Vérague. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur ce beau projet? On continue. Bon. Donc, vu les attendus, je vous passe les visas. Donc, autorise le maire à solliciter une subvention dans le cadre du contrat de territoire 2022-2026 avec le département du Calvados, à signer la convention afférente et tout autre document relatif à cette demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Plan vélo, délibération 174, Johnny Briard. Merci, monsieur le maire. Ce soir, je souhaitais avant tout, avant de passer à la délibération qui nous concerne ce soir, je pense, je souhaitais faire un petit point sur l'avancement du plan vélo. On a l'occasion de discuter 5 minutes de ça et si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Il n'y aura pas de vote à l'issue de ma petite présentation. Donc, on a 4 slides à vous passer et puis je ferai quelques commentaires. Donc là, on a une première slide donc, avec le plan vélo qui a été voté en 2021, avec le tracé initial est-ouest-nord-sud, avec une mission qui a été confiée au bureau d'études Servicade. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien parce que mais ça va aller quand même.
Donc, ce plan initial, donc, je l'ai dit, donc, Est-Ouest, Nord-Sud, a été confié donc, à Servicad, qui nous a rapporté donc, un rapport en octobre 2022. Et vous le voyez sur la slide. On la passe là où on ne l'a pas, je crois. La deuxième. Avec un chiffrage initial qui était de 2,7 millions et un avant-projet qui nous est présenté qui est passé à 4,6 millions. Donc, je trouvais utile d'en parler ce soir, puisque évidemment, avec une telle augmentation de ce projet, il était évidemment important de voir comment on allait s'en sortir. Et donc, on a travaillé sur le sujet avec Antoine Havard. Nous sommes retournés sur le terrain avec l'entreprise Servicad, les services techniques, et on a regardé un petit peu comment on pouvait travailler intelligemment pour réaliser ce projet. Donc, vous le voyez sur cette slide, vous avez les réseaux qui sont les futurs réseaux qui vont être enfouis par la ville de Lisieux, qui sont en jaune sur le. Je ne sais pas si on les voit. On ne les voit pas. C'est sur la troisième. Voilà, celle-ci. Voilà. Donc là, on a vraiment les projets d'enfouissement de réseau qui apparaissent. Et on s'est dit, on ne va pas faire du travail inutile, on ne va pas aller faire de la voie cyclable et de la piste cyclable pour retourner dans un an ou dans deux ans pour enfouir les réseaux. Et donc, on le voit bien sur l'avenue, la rue du Général Leclerc et la rue Cornu. Cette rue va être impactée complètement. Et on s'est dit qu'effectivement, si on avait un morceau de plan vélo à retarder, eh bien, ça serait certainement celui-ci. D'autant plus que, vous avez pu le constater, l'agglomération Lisieux-Normandie est intervenue sur la rue Paul-Cornu, sur 800 mètres du lycée Paul-Cornu au rond-point de Super-U. Voilà. Donc, on a bien vu que c'était du rustinage. Donc, ce morceau qui devait être un morceau important, un gros budget de 3 millions d'euros pour l'investissement de l'agglomération Lisieux-Normandie, comportait les réseaux souterrains, la voirie et la piste cyclable. Et bien sûr, on pense que évidemment, ce projet va être reporté à au moins 2023, 2024, voire 2025. Donc, on s'est dit qu'effectivement, les réseaux d'un côté et le projet de la piste cyclable reporté, s'il y avait un secteur à reporter, ce serait celui-ci. Et donc, on a décidé de travailler différemment. Un autre secteur qui nous est paru possible de retarder, c'est la rue Fournet, puisqu'on est, sur un projet où également il n'y a pas les réseaux aériens sont toujours existants, il faudra y venir à un moment donné. Et de plus, on avait ce projet de toute façon de passer par Pompidou. Donc voilà, ce sont les deux grands axes qui ont été enlevés du projet initial et qui seront reportés certainement sur l'après 2025. Donc sur la slide qui suit, vous avez la proposition qui est faite de partir évidemment de la rocade en reliant la piste cyclable existante de Saint-Martin-de-l'Allieu et qui passera donc par le rond-point d'Intermarché pour rejoindre le boulevard Pompidou et puis reprendre une partie de la voie verte existante le long de la Touque pour traverser la rue Arroux et rejoindre la place de la République en traversant le boulevard Sainte-Anne. Donc cette partie-ci donc, est reprise effectivement. Le rond-point Fournet en passant par la rue du Carmel pour rejoindre le rond-point Jean-Paul II, qui sera également maintenu. Et puis l'avenue Jean 23, d'un bout à l'autre, qui sera prolongée. Et puis traversée pour reprendre le chemin du Val-Ménard, puis le chemin Capron, pour rejoindre la zone commerciale derrière chez Leclerc. En parallèle à ça, on a déjà travaillé sur l'avenue du 6 juin. Donc c'est là, on n'est plus sur de la piste cyclable, mais c'est de la voie cyclable. Mais ça fonctionne quand même très bien. Et donc, on souhaite aussi également faire de même pour la rue Fournet, puisqu'on ne le fera pas par ce plan vélo. On le fera certainement en régie et en marquage au sol, mais c'est quand même, ça mérite quand même d'exister. Et donc, on aura la même chose certainement sur l'avenue Sainte-Thérèse pour rejoindre Jean 23. Et donc, nous travaillons, donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, dès aujourd'hui, le chantier a débuté sur le chemin de l'Attillée qui rejoindra le parcours sportif dans une quinzaine de jours. Donc là, on est sur un budget qui reste à l'équilibre de 2 647 000 et qui sont financés donc, par l'ADREA à la hauteur de 495 200
la DSIL à 794 000, l'ADEME 50 000 euros, le département 522 615, la région 231 000, et il restera à la ville 554 287 euros, soit un projet qui est subventionné à hauteur de 80%. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors c'est pas l'objet de la délibération, c'est... mais c'était un point important, enfin une information que peut-être nous vous devions. En tout cas, c'est un point d'étape dans la mise en place du plan vélo. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Voilà, vous avez bien compris qu'on ne va pas venir sur la rue Paul Cornu, sur le boulevard Herbé Fournet et sur une partie de la rue de Paris, puisque les effacements ne vont intervenir qu'à partir de l'année prochaine. Voilà. Pas de demande de prise de parole ? Johnny, un complément ? Oui, Madame Walter. Je vais donner l'impression de parler tout le temps. Je vais essayer d'en parler moins, mais là, c'est pour dire que ce plan vélo me paraît à la fois très, très bienvenu, très attendu, et je pense qu'il y a eu un beau travail qui a été fait sur la période. Et donc, et c'est sans doute évidemment le secteur de l'agglomération qui sera le mieux couvert le premier, je pense. Je voulais juste remercier le travail qui a été fait, notamment par Johnny Briard, mais pas seulement. Il y a d'autres membres du conseil municipal qui sont très engagés. Il y a effectivement Antoine Avard, mais il y a aussi le maire de Lisieux. Je le dis parce que je dis ce qui ne va pas, mais je dis ce qui va aussi. Je dois dire que juillet 2020, le maire de Lisieux n'a pas dû manquer une seule réunion de la commission de mobilité de l'agglomération, ni aucune des réunions concernant les mobilités, notamment les mobilités douces et autres sujets. Donc, je voulais le mettre aussi dans la boucle des remerciements pour son engagement sur ce sujet qui concerne bien évidemment les Lexoviens, mais l'ensemble de l'agglomération, puisque c'est dans ce cadre que je travaille. Donc, merci. Merci, Mme Walter. Je vais associer Emilien Jean aussi à nos travaux, qui fait partie de votre groupe, puisqu'il a été associé, à ses travaux et il utilise beaucoup plus que nous tous réunis le vélo, par tous les temps, parce que là, on commence à le voir avec ses enfants sous la pluie et sa famille. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Non. Alors, on va passer à la délibération maintenant qui nous concerne, Johnny. Merci, Monsieur le maire. Le plan vélo adopté par le Conseil municipal du 8 mars 2021 bénéficie de plusieurs subventions, dont le programme national du 5e appel à projet, Fonds Mobilité Active, aménagement cyclable permis par le plan France Relance et basé sur le plan vélo et mobilité active. Ce projet a été relayé par la Direction régionale de l'équipement et de l'aménagement du logement, dit l'ADREAL. L'objectif est de tripler la part du vélo dans les déplacements pour atteindre 9% en 2024. Une enveloppe de 100 millions d'euros a été déployée pour le financement d'aménagements cyclables en complément des crédits inscrits au Fonds Mobilité Active. La mise en œuvre de ces crédits a fait l'objet d'un appel à projet régional administré par l'ADREAL Normandie. Cette convention s'inscrit dans le cadre et porte sur l'axe d'entrée sud de la ville depuis la route de Livarot jusqu'au boulevard Sainte-Anne, coté par l'avenue Georges Pompidou, axe qui sera aménagé en piste cyclable, bande cyclable ou voie verte. L'ADREAL a accordé le 25 octobre 2022 une subvention d'un montant de 495 200 euros pour la section sud du plan vélo basée sur une dépense de 1 817 055 euros hors taxes. Ces aménagements seront complétés par la partie nord lors d'une seconde phase d'intervention. Pour finaliser l'engagement entre l'ADREAL et la collectivité, une convention partenariale doit être signée. Voilà, c'est l'objet de la délibération. L'ADREAL est un partenaire important. Elle a droit de regard sur l'élaboration de ce plan vélo et elle participe financièrement. Elle permet d'obtenir d'autres aides. Et c'est pour cette raison que je vous demande de signer
une convention avec l'ADREAL. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Alors, on continue. Plus le budget de l'exercice en cours autorise le maire ou l'adjoint au maire délégué aux espaces publics et aux mobilités à signer la convention de financement relative au projet d'aménagement cyclable, plan vélo Lisieux, section sud, dans le cadre du 5e appel à projet, fonds mobilité active, aménagement cyclable, permis par le plan France Relance, avec la direction de l'équipement et de l'aménagement et du logement, l'ADREAL, tout éventuel avenant introduisant les modifications mineures, tout document se rapportant au dit dossier et l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Recharge du lit du Sirieu, protocole transactionnel avec l'association d'éducation, de formation et de culture du diocèse de Bayeux. Une autorisation de signature, et c'est Johnny Briard. Le conseil municipal a délibéré lors des séances du 14 décembre 2020 et 8 mars 2021 sur l'acquisition de biens immobiliers 12 et 14 rue du Héron, parcelles cadastrées AB 3 et 2, à la suite de graves désordres sur le mur de la berge numéro 12, risquant de s'effondrer dans le lit du Sirieu et d'entraîner la maison dans sa chute. Pour mettre fin à ce désordre, la solution technique retenue a été de la reconstruction d'une berge naturelle après déconstruction du mur et de la maison du 12 rue du Héron. Il est prévu de réaliser un ouvrage commun aux parcelles 12-14 rue du Héron afin d'éviter les traitements hétérogènes des berges, matériaux, pentes en particulier, qui risqueraient de voir une reprise localisée de l'érosion, conformément aux recommandations du Bureau de recherche géologique et minière. Dans son rapport transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer, le 21 juillet 2020, lors de l'inspection du cabinet global ingénierie sur le lit du Sirieu diligenté par le syndicat mixte du bassin versant de la Touque, une problématique de dégradation du mur de soutènement de l'école Sainte-Thérèse, 10 rue du Héron, parcelle cadastrée AB21, a été signalée. Face à cette problématique, il est proposé une solution intermédiaire en attendant les travaux sur la berge du ruisseau, en rechargeant le lit de la rivière, afin d'atténuer le phénomène d'affouillement. L'entreprise ETPO, dans son devis, propose des travaux de mise en œuvre de matériaux 0,150. Ce sont, si j'ai bonne mémoire, des gros cailloux qui viennent maintenir la berge. Voilà. Dans le lit du Sirieu, sur toute sa largeur, entre le rideau de palefeuille de l'école et le mur de soutènement de la rivière, pour un montant total de 10 070 € hors taxe. La ville étant propriétaire de la moitié du cours d'eau et l'autre moitié appartenant à l'association d'éducation de formation culture du diocèse de Bayeux, il est proposé de signer le protocole transactionnel s'y annexé afin de prendre en charge la moitié du montant du devis de l'entreprise ETPO. Merci. Merci Johnny. Je vais donner la parole à Jean-René Desmonts pour un petit historique sur ces travaux puisqu'ils sont liés aux inondations de 2019. Oui, effectivement, ça fait partie des suites de la rue du Héron et des acquisitions que la ville a réalisées donc sur ce secteur. Je pense que vous vous souvenez tous un petit peu de ce qui s'est passé. On avait une maison qui s'effondrait et donc on est intervenu assez rapidement pour faire l'acquisition. On a fait la démolition, on a renaturé la berge, on a eu pour cela des financements de l'agence de l'eau qui étaient assez importants. On a été aussi pas mal aidés, faut les saluer pour ça, par le syndicat mixte du bassin versant de la Touque qui est vraiment intervenu, qui nous a aidés dans le montage, dans toute la gestion de ce péril qui était imminent et qu'on a dû gérer en urgence. On a aussi procédé à l'acquisition de la maison voisine qui, elle aussi, commençait à avoir les mêmes désordres avec des fissurations importantes. On avait des problèmes de... Enfin, ça suivait le même chemin que la maison précédente, donc on l'a acquis aussi. On doit procéder donc aussi normalement à l'avenir à sa démolition. Et là, dans l'immédiat, on a constaté que sur le mur en fait, qui est en face, qui appartient à l'école, des problèmes de structure. Parce qu'en réalité, avec le SMBVT, on est en train de... C'est cas mixte. On est en train d'étudier un aménagement un peu complet de tout ce secteur pour éviter justement les problèmes d'inondation et assurer la stabilité des berges. Donc en lien avec l'école Victorine Magne qui est à Calétaire en amont, en lien avec les riverains, notamment l'école Sainte-Thérèse qui est à côté. Et donc les travaux vont... Il y a une étude qui va être lancée, les travaux vont être réalisés, mais ça, c'est sur le moyen terme, on va dire. Mais dans l'immédiat, on a vu qu'il y avait des problèmes d'affouillement qui étaient assez importants sur le secteur, et donc on a, enfin, l'entreprise qui nous aidait, enfin, le cabinet d'études qui nous aidait, nous a indiqué qu'il était préférable de faire
un renquêtement du lit de la rivière avec des graviers, effectivement, enfin d'assez gros graviers, pour justement essayer de maintenir le lit et éviter le phénomène d'affouillement. Disons que c'est temporaire, le temps qu'on fasse les travaux, ce qui ne sont pas faits dans l'immédiat, parce que c'est des coûts assez importants, il faut qu'on étudie tout le fil du cours d'eau jusqu'à Victorine-Magne. Donc là, c'est des travaux pour assurer au moins la stabilité du lit, éviter l'affouillement des murs, éviter qu'on ait un mur qui s'effondre. Et la ville prend en charge la moitié, puisque comme vous le savez, les cours d'eau non domaniaux sont propriétaires par moitié, par les riverains. Donc l'école a la moitié du cours d'eau, qui prend la moitié, et la ville a l'autre moitié, donc on prend 50%. Voilà pour ce secteur-là. Je profite de ce point-là, des questions des inondations et des périls, pour vous dire qu'on est en train d'avancer, on est bien avancé sur la question du petit lieu, qui était le deuxième sujet. Hein. Les deux sujets c'était prioritaires, c'était le Cirieux, où on intervient, et le petit lieu, qui est du côté du stade Bielmann, où là, on a une réunion de lancement qui est prévue le 21 novembre, je crois, qui est prévue au mois de novembre, prochainement, de lancement de l'étude qui va être réalisée pour l'aménagement du petit lieu, qui, vous savez, c'est récurrent, on a des inondations dans ce secteur. Donc là, on va lancer l'étude préalable pour déterminer quels seront les travaux à réaliser, les aménagements pour pouvoir justement renaturer les berges et éviter les inondations qui sont très fréquentes dans ce secteur-là et qui interviennent même sur des épisodes pluvieux qui ne sont pas forcément exceptionnels. Ça intervient quand même très souvent. Donc voilà, on progresse aussi sur la question du petit lieu, toujours en lien avec le syndicat Mix qui pilote tous ces dossiers-là avec lesquels on travaille vraiment de concert. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention ? Oui, Madame Walter. J'ai pas de questions sur la convention, mais je voulais profiter de l'occasion et de l'intervention de Monsieur Desmond pour demander s'il serait possible, à un moment ou à un autre que vous jugerez pertinent, de nous présenter l'ensemble des dispositifs mis en œuvre justement pour répondre à ces inondations qui ont, vous vous en souvenez tous, beaucoup secoué, beaucoup. Fait réagir et porter au sein de la population l'exovienne. Et je pense que ça serait intéressant de pouvoir avoir une vision globale et concrète de ce qui a été fait sur l'ensemble du dispositif, parce que ce fut un événement extrêmement qui a été fort pour les habitants. Ça n'avait pas anticipé. Évidemment, c'est un événement centenal, ça avait été rappelé, mais je pense qu'il est important peut-être à la fois d'informer, de rassurer et de démontrer ce qui a été fait. Et je pense que c'est utile que ça le soit pour, je dirais, à la fois pour le Conseil, mais aussi pour nos concitoyens qui avaient été, encore une fois, secoués et notamment ceux qui étaient... ceux qui étaient aux premières loges et notamment les familles victimes de ces inondations. Merci. Oui, ce sera en lien avec le syndicat mixte du bassin versant de la Touque, puisque c'est lui qui est maître d'œuvre sur ces questions, en complément des travaux que la ville peut réaliser et des acquisitions foncières qu'elle a pu réaliser. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés à Saint-Désir, en amont du Cirieux, sur l'ancien site de la fromagerie, qui ces aménagements, cette destruction immobilière permettent à l'eau de s'étaler un petit peu plus plutôt que d'être dans un couloir. Pour ce qui est du petit lieu, là, on est en phase d'étude. Et néanmoins, il y a des discussions, une organisation qui se met en place avec notamment Inolia, sur le site du petit lieu, parce que le petit lieu a été canalisé. Et il a été canalisé, et à un moment, au niveau de la ligue de foot, le cours d'eau part à 2 fois 45 degrés, c'est-à-dire qu'il est divisé, le buzage n'est évidemment pas assez conséquent pour absorber tous les abats d'eau. Et donc l'idée, c'est, avec Inolia, c'est de rendre du terrain, de l'espace de vie pour le ruisseau en aérien, de façon à ce qu'il puisse s'écouler directement jusqu'à la Touque, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est le cas quand il y a des gros abats d'eau, et là évidemment l'eau dévale et passe dans les jardins et dans les maisons jusqu'à la Touque. Mais on pourra vous faire une présentation, on en parlera à Alain Mignot qui se fera un plaisir de venir nous expliquer tout ça. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je demande à M. Briard de poursuivre. Vu le devis 20
22-25 du 23 juin 2022 de l'entreprise ETPO approuve le projet de protocole transactionnel entre la ville et l'association d'éducation, de formation et de culture du diocèse de Bayeux relative à la recherche du, à la recharge du lit du Sirieux, s'y annexer. Autorise le maire ou l'adjoint délégué aux espaces publics et aux mobilités à signer le protocole d'accord transactionnel avec l'association du diocèse de Bayeux et tout éventuel avenant introduisant des modifications mineures, tout document se rapportant au dit dossier et l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Frédéric Ménil, proposition de suppression du passage à niveau numéro 2 bis, rue de Caumont, Allée de Launay. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il est exposé que l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 a pour objet de définir la nature des équipements, les conditions de fonctionnement, d'exploitation, de franchissement et d'utilisation des passages à niveau, ainsi que de leur classement en quatrième catégorie et leur numération par préfet ou par arrêté préfectoral. Pardon. En l'occurrence, les passages à niveau public utilisables par les seuls piétons sont classés en trois catégories et sont équipés de portillons équilibrés à la fermeture, non fermés à clé et manœuvrés par les piétons. SNCF Réseau a réalisé le 16 septembre 2020 un diagnostic routier du passage à niveau numéro 2 bis piéton sur la ligne Lisieux-Trouville, située entre l'impasse Caumont et l'allée de Launay, sur la base du dernier comptage piéton qui date de 2018 et évalue à environ 20 piétons par jour qui empruntent ce passage à niveau. Il en ressort que le conseil municipal est invité à se prononcer sur la proposition de suppression du passage à niveau. En cas d'avis favorable, une enquête publique est diligentée. Les conclusions du commissaire enquêteur font l'objet d'une nouvelle délibération sous un délai de 3 mois suivant la remise du procès verbal. En cas d'avis défavorable, le dossier est classé sans suite. Merci, monsieur Ménil. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Monsieur Briard. Oui, moi je vais la faire comme Madame Walter, j'ai pas tout compris. Bah oui, parce que on est pour la fermeture, on est contre la fermeture. Enfin voilà. Bon, alors, moi en tout cas personnellement. En clair, la SNCF au Réseau Ferré de France nous demande notre avis sur la suppression de ce passage à niveau 2 bis, qui est un passage piétonnier entre la rue de Caumont et la rue, je l'ai dit tout à l'heure, l'allée de Launay. Madame Lejeune. C'est un petit passage qui permet de passer. C'est vrai qu'on remarque un passage, ça permet de passer. C'est un... ouais, mais on traverse... Non, mais il est désagréable. On traverse les rails et on arrive en Monsieur Briard, vous n'auriez pas fait ça à un homme. C'est... Alors, s'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole, Madame Walter. S'il vous plaît, Madame Walter. J'allais dire, occupez-vous de vos affaires. Non. Vous êtes un peu trop loin pour distribuer la parole et dire qui a parlé. Alors, en l'occurrence, moi, je les ai tous les deux côte à côte et je ne dirai pas qui a parlé, mais ce n'est pas Johnny Briard. Je veux rester bien avec mon premier adjoint. Juste, s'il vous plaît, et on revient sur le projet. Juste, je vous explique. C'est un passage qui permet de traverser la voie ferrée, de se retrouver du côté de la salle multi-activité. C'est très agréable par là, je ne vois pas pourquoi... En plus, il n'y a aucun danger. Enfin, il y a un train. Faut pas traverser quand le train arrive. Ah, évidemment, c'est... Oui. Ouais, je voudrais aussi rajouter un mot. Effectivement, c'est un passage qui est pas mal utilisé par les habitants qui habitent un petit peu en bas et qui vont à la boulangerie sur le boulevard. Ouais, ça permet de couper. Moi, je vote contre. Monsieur Fraquet, c'est moi qui donne la parole. Voilà, Madame Walter, est-ce que vous voulez la parole, puisque je vous entends ? Pas du tout, mais je dis que Monsieur Fraquet peut s'exprimer comme chaque membre du conseil municipal. Oui, mais Madame Walter, pour la bonne tenue de nos débats, il faut que chacun demande la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Monsieur Fraquet, allez-y, Monsieur Fraquet, oui, exprimez-vous. C'est d'ailleurs un passage que je pratique régulièrement. Parce que c'est très facile, c'est un lien entre, je dirais, la caserne, parce que, excusez-moi, j'ai toujours la caserne de Launay, mais le quartier de Launay et le boulevard Abbé Fournet. Donc je trouve que c'est quand même un lien important entre ces deux quartiers,
Et c'est quand même dommage de le supprimer, puisque c'est deux quartiers qui ont des vies sociales un peu différentes, et il faut garder ce lien. J'y passe régulièrement. Bon, si c'est supprimé, je ferai un détour, mais c'est quand même dommage, parce que je ne suis pas le seul à l'utiliser. Et honnêtement, le danger, ce n'est pas énorme, parce que la visibilité est très bonne, puisque c'est vraiment dans une ligne droite. Et il faut regarder de chaque côté. Je dirais que c'est comme quand vous passez n'importe quel passage à niveau. Mais bon, ça permet à la SNCF de faire des économies, mais est-ce qu'on est là pour faire des économies à la SNCF? Moi, je ne sais pas quelles économies. Moi. Non. Madame Walter, vous avez demandé la parole. Je n'ai pas demandé la parole, monsieur le maire. Je vous ai vu lever la main. Je pense... Ah non, non. Non, mais peu importe, je la prends quand même. C'est un toc. Je pense que l'intervention de monsieur Fraquet est intéressante. Et je pense comme lui, ce qu'il vient de dire, à savoir que je ne vois pas quelles sont les économies que l'on pourrait faire avec en supprimant le passage. Donc, si les habitants l'utilisent, on ne va pas leur faire le tour, effectivement, comme cela vient d'être dit. Si en plus il n'y a pas de problème de sécurité, c'est la seule question. Est-ce qu'il y a déjà eu un seul accident sur ce lieu, oui ou non? Et je pense qu'après, on a la réponse. De mémoire, non. Johnny Bria. Pour avoir regardé un petit peu ce dossier, je crois de mémoire que la SNCF, par contre, s'engage à réaliser des travaux si on conserve ce passage à niveau. Oui, ouais, c'est ça. Ce passage. C'est ça. Voilà. Donc, vous n'avez pas regardé la délibération. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Donc, pour faire simple, je vais vous proposer d'émettre un avis défavorable. Si vous le voulez bien. J'avais les deux, Madame Walter. Hein. J'ai ouvert au débat dans ma délibération, proposition de délibération, j'ai les deux. Ouais. Et je me suis rendu sur place aussi quand on a reçu cette sollicitation, qui n'était pas la première. Hein. Ça fait un petit moment que la SNCF l'a demandé. Je suis allé voir. Et comme le disait Madame Lejeune, c'est vrai que c'est en pleine ligne droite et il y a danger, il faut faire attention, mais ce n'est pas l'endroit le plus dangereux pour traverser ici. Donc, ce que je vous propose, c'est d'émettre un avis, et je reprends la main, excuse-moi Frédéric, non, mais c'est d'émettre un avis défavorable et de demander par courrier à la SNCF ou à RFF de bien vouloir y faire des travaux et l'entretenir, parce que quand on dit que c'est entretenu, c'est pas vraiment entretenu. Voilà. Donc, je vais vous proposer d'émettre un avis défavorable. Donc, qui est contre la suppression de ce passage à niveau? Trop tard, c'est voté, Madame Walter. Qui? Oui, pour... c'est ça. Un avis défavorable. On émet un avis défavorable. Défavorable. Voilà. Vous voulez supprimer ou pas, Madame Walter? Non. Non. Donc, est-ce que votre pouvoir veut supprimer? Comment? Est-ce que il veut supprimer le passage mais piéton? Non, on est tous d'accord. C'est l'unanimité. Ne faites pas le. C'est l'unanimité. Celui qui comprend rien. Non, mais vous râlez dans le fond. Et je vous demande ce que vous votez. Donc, arrêtez de râler, Madame Walter. Oui. Vous êtes. Pour, non, vous êtes contre la suppression, oui ou non? Bah oui. Voilà. Et quand c'est soufflé par quelqu'un de la majorité, c'est quand même fantastique. Mais non, mais on était d'accord avec ça. Mais c'est pas voilà. Parce que. Donc, ça unanimité sur le sujet, Madame. Voilà, et prenez-le positivement, monsieur le maire. Voilà. Je prends avec le sourire, vous le remarquerez. Délibération 177. Monsieur Lebrasseur, raccordement électrique, chemin de la Bonde, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique, Enedis envisage de poser un câble électrique basse tension sur 10 mètres chemin de la Bonde. Pour ce faire, Enedis demande l'établissement des droits indiqués dans la note de synthèse sur la parcelle AH0263 située chemin de la Bonde. Par conséquent, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui
en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Un projet de convention de servitude si annexé a été établi à cet effet. La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question à l'article 1er de la dite convention ou de tout autre ouvrage qui pourrait lui être substitué sur l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant avec une emprise moindre. Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si nécessaire. Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par Enedis des formalités nécessaires. Merci, Monsieur Le Brasseur. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? On poursuit. Considérant l'intérêt public de l'extension du réseau électrique existant, engage les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération, approuve le projet de convention ci annexé, demande à Enedis l'établissement d'un acte authentique devant notaire, les frais restant à la charge d'Enedis. Dit que la présente servitude est consentie à titre gratuit, autorise le maire, l'adjoint ou maire délégué à l'urbanisme et au marché public ou l'adjoint ou maire délégué aux espaces publics et mobilité à signer la présente convention et tout document se rapportant aux dix dossiers. Autorise le maire, l'adjoint ou maire délégué à l'urbanisme et au marché public ou l'adjoint ou maire délégué aux espaces publics et mobilité à intervenir à la signature de l'acte authentique. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Monsieur Delanoë, effacement coordonné des réseaux de distribution d'électricité, chemin et allée des Buissonnais. Il s'agit d'une étude préliminaire. Oui, merci monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la ville de Lisieux souhaite réaliser l'effacement coordonné des réseaux de distribution d'électricité, chemin et allée des Buissonnais dans la continuité des travaux d'aménagement du parking de la maison de Sainte-Thérèse. Pour ce faire, elle a sollicité le concours du SDEC pour procéder à l'étude préliminaire. Et donc, les travaux consistent à créer de nouveaux réseaux électriques de télécommunications sous voirie ou accotement en assurant le raccordement des usagers sur une longueur de 280 mètres linéaires pour l'électricité et 245 mètres linéaires pour les télécoms. Le coût total de cette opération est estimé à 158 880 € TTC. Le taux d'aide en vigueur à la date de lancement du projet de base du SDEC énergie est de 20% du coût hors taxe sur le réseau des télécommunications. Sur ces bases, la participation communale est estimée à 110 048 € TTC. Se décomposant comme suit, électricité 85 280 € et télécommunications 24 768 €. Ce montant est susceptible d'évoluer en fonction de la nature du sous-sol, de modifications demandées lors de l'élaboration du projet définitif ou encore de changement des modalités d'attribution des aides. S'il n'était suivi d'aucun engagement de la ville dans l'année de la programmation du projet, cela entraînerait le versement de la somme de 3 972 €, soit 3% du coût total hors taxe, correspondant au coût des études réalisées par le SDEC Énergie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? On poursuit. Alors, vu les attendus et considérant l'intérêt public de cette opération, on confirme que le projet d'effacement coordonné des réseaux de distribution d'électricité chemin et des Buissonnais conforme à l'objet de sa demande. Sollicite l'examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental d'intégration des ouvrages dans l'environnement. Souhaite le début des travaux pour la période suivante 23-24 et informe le SDEC Énergie des éléments justifiant cette planification, effacement des réseaux électriques et de télécommunications sous voirie dans la continuité des travaux d'aménagement du parking des maisons. Sainte-Thérèse à Lisieux. Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Énergie, sauf le câblage de télécommunications par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau. S'engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi. Décide d'inscrire le paiement de sa participation estimée à 110 048 € TTC en section de fonctionnement. S'engage à verser sa contribution au SDEC Énergie dès que les avis seront notifiés à la commune. S'engage à verser au SDEC Énergie le coût des études pour l'établissement du projet définitif en cas de non-engagement de la commune dans l'année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3% du coût total hors taxe, soit la somme de 3 972 €. Prends note que le coût de ce projet est susceptible d'évoluer en fonction de l'étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l'élaboration du projet définitif ou encore de changements dans les modalités d'attribution des aides. Autorise le maire ou l'adjoint au maire délégué aux espaces publics et mobilité à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Madame Mangean, participation de la ville de Lisieux au fonctionnement du centre socio-culturel.
Donc, en date du 5 janvier 2018, il y a une convention relative à la gestion du centre socio-culturel qui a été signée pour une période de 2018 à 2023 entre la Caisse d'allocation familiale du Calvados, la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie et la ville de Lisieux. Cette convention, elle prévoit le versement d'une participation de la ville de manière annuelle et également de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie. Et cette dépense, et, enfin cette, cette, ce versement est lié aux dépenses nettes réalisées de l'équipement selon un montant plafond et une clé de répartition. C'est-à-dire pour la ville de Lisieux, une répartition de 65% et 35 euros pour l'agglomération, avec des montants 65%. J'ai dit quoi ? Alors, pardon, 65% et 35% pour l'agglomération, avec les montants plafonds pour la ville de Lisieux de 138 450 euros et pour l'agglomération 74 550 euros. Lors du comité de gestion du centre socio-culturel le 13 juin 2022, il a été présenté le compte d'exploitation de l'équipement pour l'année 2023, qui faisait apparaître un montant de 120 000 euros à la charge de la ville. Donc, ce montant est inférieur au prévisionnel du tableau, mais représente un pourcentage plus important, puisque ça représente 75% du total. Donc, on vous demande de délibérer sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions ? On poursuit. Donc, vu les attendus, décide de procéder au versement de cette participation au fonctionnement du centre socio-culturel au titre de l'année 2023, exceptionnellement supérieur à 65% du montant total à la charge des collectivités, mais ne dépassant pas le plafond. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Subvention exceptionnelle aux associations, délibération 180, Madame Lejeune. Bonsoir à tous. Qui a beaucoup envie de parler ce soir. Oui, c'est vrai. Alors, délibération 2022-180, subvention exceptionnelle aux associations, attribution année 2022. À l'occasion de la cérémonie organisée avec les sportifs le 21 septembre 2022, la ville de Lisieux a annoncé sa volonté de soutenir les sportifs lexoviens de haut niveau en accordant une subvention exceptionnelle de 300 euros aux associations concernées. Vous avez les associations concernées dans la première partie du tableau. D'autres associations faisant face actuellement à des besoins exceptionnels, des difficultés financières et ou matérielles, ont sollicité un soutien de la ville qui a également décidé de les aider financièrement. Vous avez notamment dans le deuxième tableau les associations que nous souhaitons accompagner. Je tenais à vous juste à vous préciser que le montant attribué représente 15 900 euros au total et que cette somme-là est prise dans l'enveloppe attribuée des 650 000 euros. Voilà. Je pense que vous pouvez, c'est ce que je voulais vous dire, vous pouvez nous faire lecture des subventions exceptionnelles qui sont attribuées dans le deuxième tableau de façon à ce que les internautes puissent prendre connaissance de ces aides en montant et en motivation. Bien, monsieur le maire. Donc, les subventions exceptionnelles, on a donc le CAL athlétisme, on soutient à 3100 euros. C'est pour l'achat d'un container pour stocker leur matériel. On est en souffrance sur nos structures pour stocker matériel, etc. Donc, la solution la moins onéreuse, c'est celle-ci, en fait. Voilà. Et c'est l'association qui fait l'achat du conteneur et nous leur versons le prix de l'achat du conteneur. Les jardins lexoviens qui souhaitent acquérir un tracteur, une tondeuse, donc on les accompagne sur ce projet, ça permet, si vous voulez, de les rendre autonomes dans la gestion des jardins. Un soutien financier à hauteur de, alors je ne vous ai pas dit ça, 3200 euros pour les jardins lexoviens. Pour le PEP Normand, on avait accompagné, on avait voté l'année dernière l'accompagnement pour Madame Emmanuel Caro, je crois, de mémoire. C'était 500 euros d'accompagnement. Malheureusement, l'année dernière, elle n'a pas pu participer au Trophée Rose des Sables. Donc, cette année, elle est réparée. Donc, elle a pu participer au trophée. L'échiquier lexovien à hauteur de 1500 euros, c'est pour les aider à financer on va accueillir cette année, l'année prochaine, le championnat de Normandie d'échecs jeunes. Donc, c'est une belle manifestation qui aura lieu de mémoire courant février. Le club de bridge qui a fêté son 50e anniversaire
Donc, on les accompagne en fait à hauteur de 1 200 €, ce qui représente en fait l'achat pour les festivités, le 50e anniversaire. Et puis, le basket qui rencontre des difficultés parce que un de leurs contrats aidés a cessé. Donc, voilà, on les accompagne à hauteur de 1 000 €. Merci, Madame Lejeune. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame Beaugrau. Merci, Monsieur le maire. Madame Lejeune peut peut-être nous répondre. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des informations concernant les procédures d'attribution des subventions exceptionnelles ? Première question. Et deuxième question, une association qui, à titre ordinaire, aurait fait déposer sa demande de subvention, n'ayant pas eu de subvention, peut-elle avoir une subvention à titre exceptionnel ? Oui, oui, il suffit juste d'en faire la demande et d'argumenter en fait le besoin du moment. Et puis, effectivement, on regarde, on en reparle et bien sûr. Il y a un calendrier, il y a un dossier ? Non, il n'y a pas de calendrier pour les subventions exceptionnelles, madame. Il suffit juste d'en faire la demande. Voilà. Une demande libre, ce n'est pas le même dossier que le dossier de subvention. Non, non. D'accord. Voilà. Il faut une demande motivée. Quant à la méthode d'attribution, l'association demande. La proposition est faite à la commission que président Mesdames Lejeune et Mangeant. Et ensuite, c'est le conseil municipal qui décide ou non d'attribuer ces subventions. Donc, c'est vous qui décidez ce soir d'attribuer la subvention. Très bien. Merci beaucoup. Encore une fois, il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Vous voyez, là, il y a une proposition d'attribution, mais je ne sors pas de mon enveloppe. Non, voilà. Certes. Est-ce qu'il y a Madame Walter ? Oui, j'ai une question à Madame Lejeune sur ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que, en fait, cela signifie qu'il y a des attributions aux associations qui se font comme, je dirais, historiquement, c'est-à-dire une répartition à un moment donné, en général, c'est au printemps. Bon, ça veut dire que vous avez isolé une part du budget pour les subventions exceptionnelles, c'est ça ? Oui. Et que, par conséquent, si aujourd'hui, en prenant cette décision, vous ne générez pas des dépenses supplémentaires, c'est que vous avez mis de côté une enveloppe pour traiter ces demandes. Comment vous aviez évalué cette demande ? Et j'ai une question derrière. Est-ce que vous ne craignez pas que ce processus entraîne des demandes, je dirais, plus fréquentes et qu'au bout d'un moment, vous n'ayez plus de marge de manœuvre ? Ça pourrait arriver, Madame Walter, mais je veille au grain. Est-ce qu'il y a d'autres demandes ? Oui, Madame Lecourt. Je voulais juste faire une petite correction dans le deuxième tableau. Je pense que tu parles des jardins de pierre et non des jardins lexoviens. Oui, c'est les jardins de pierre. Oui. Avec le micro. Tu as raison, Corinne, c'est vrai, tu as raison, mais c'est comme ça que l'intitulé est sur cette association-là aussi. Ouais. Mais oui, moi aussi, j'étais comme toi, mais c'est Jardin Lexovien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ? Non ? Alors, je vais vous proposer de poursuivre, Madame Lejeune. Vu le Code général des collectivités territoriales, approuve l'attribution des subventions exceptionnelles aux associations présentées dans le rapport ci-dessus. Décide de procéder au versement de cette subvention. Autorise Monsieur le maire ou l'adjointe au maire, délégué à la vie associative, à signer tout document relatif à cette affaire. Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Voilà, nous pouvons passer maintenant au compte-rendu des décisions. Elles sont au nombre de 106. Je vous ai adressé le compte-rendu des décisions prises depuis le Conseil municipal du 26 septembre 2022 et chacun a pu en prendre connaissance. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je poursuis. Pour conclure, je vous rappelle nos prochains rendez-vous à Lisieux.
Jusqu'au samedi 19, découvrez l'exposition du CIDFF sur l'évolution du droit des femmes, ici même, à l'espace Victor Hugo. Vous pourrez visiter cette exposition en sortant. Guy Mock vous propose, en compagnie de nombreux artistes, de vous initier au street art, un hélicoptère décoré par les Lexoviens. Omec et Defluy au jardin de l'évêché est exposé. Et il y a aussi une galerie éphémère, 10 rue des Mathurins, jusqu'au 17 décembre. Le 3 décembre, nous serons tous solidaires pour le Téléthon avec un événement sur la place de la République. Le 6 décembre, plus tard que les années précédentes, afin de réaliser quelques économies d'énergie, nous lancerons tous ensemble les illuminations de Noël, qui seront éteintes le 6 janvier, quelques jours plus tôt aussi. Le marché de Noël du quartier de Hauteville se déroulera cette année le week-end du 10 décembre, et le week-end suivant aura lieu le marché de Noël en centre-ville. Et vous découvrirez très prochainement l'intégralité du programme de Noël dans vos boîtes aux lettres. Et il y a un concert à ne pas manquer le 2 décembre prochain, Barcelona Gypsy, avec Balkan Orchestra à Mosaïque. Voilà. On a un bal à Mosaïque. Oui, il y a un concert. Il y a le concert de la Tuna le 4 décembre. Il y a le concert de la Tuna le 4 décembre. Il y en a un vendredi aussi. Et je vais laisser la parole à Vincent Thon, qui va nous rappeler tous les concerts de Noël. Vas-y, Vincent. Donc non, il y aura plein d'événements. Alors je vais reprendre. Il y aura un concert à la cathédrale cette semaine, vendredi soir. Et il y a également donc le vendredi 18 novembre à 20h un concert donc à Mosaïque. C'est MC Agora Black Pantone. J'espère que je l'ai bien cité. Et il y aura aussi le jeudi plein d'événements autour du Beaujolais nouveau. Je vous rappelle, c'est donc jeudi. Voilà. Et le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 12 décembre. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Merci de vos travaux. Ah, mais j'étais resté là par là.